On les a pas tous attrapés, ils arrivent. On y va. Surfou Surfou Ouvre la porte Les policiers sont sûrement en train d'arrêter des gens. frères et sœurs de notre vrai, église ont soirée, soirée, été emmenés. Est vrai, est Par chance, soirée. je n'étais pas ils à la maison. Ils sont J'ai été protégé fous. par le Seigneur. Sœur Zheng, qu'en est-il de votre église Trois diacres de notre église ont été capturés, ainsi que quelques frères et sœurs reconnus. Oh, plus de 20 frères et sœurs de l'église de Desheng ont aussi été arrêtés, et ils ont fouillé notre lieu de réunion. C'est pareil pour notre église de Shangsheng. J'ai eu la chance de m'échapper. J'ignore encore combien de frères et de sœurs ils détiennent. Ces policiers sont des vrais bandits. Ils ne respectent pas la loi. Des truands, c'est vrai. Heureusement, grâce à l'avertissement de frère Yan, plusieurs diacres de notre église de Xinming ont pu se cacher. Loué soit le Seigneur. Cependant, quelques frères et sœurs n'ont pas pu être contactés à temps, et ils ont été arrêtés. Plusieurs lieux de réunion ont aussi été perquisitionnés. Ils ont aussi fouillé toutes nos maisons et, bien sûr, ils ont volé tous les objets de valeur. Oh, ce sont tous des voleurs. Le PCC continue de persécuter tous les chrétiens. Ceci dit, on a déjà connu cette situation. Nos cœurs ne résisteront pas longtemps. C'est sûr. Ah. Oui. C'est -ce moi. Ah, oh, c'est Frère Eli. Tu t'en es sorti. Merci, Seigneur. Assieds-toi. Où est l'ancien Wang Ils ont eu l'ancien Wang. Ils l'ont arrêté Raconte-nous tout. Que s'est-il passé La nuit dernière, des policiers armés ont fait une descente dans notre village. Ils étaient armés jusqu'aux dents et ils sont entrés chez l'ancien Wang. Ils ont pillé sa maison et ont arrêté les gens comme des démons. Ils sont odieux. Ils ont toujours été comme ça. J'ai voulu avertir les frères et sœurs, mais c'était trop tard. Je n'ai pu que me cacher. Je n'ai appris que ce matin que plus de 30 frères et sœurs de notre Église ont été capturés. La descente s'est faite pareille que la dernière fois. L'armée et la police étaient sur le coup. Oh, okay. mmh. oui. Le PCC essaie toujours de capturer les croyants au milieu de la nuit. Nous n'avons aucun moyen de nous défendre. ne peut rien faire. Ils se saisissent des chrétiens en pleine nuit parce qu'ils craignent d'être vus et de mettre en colère la population. Le PCC est vraiment fourbe Ils sont diaboliques. Mm. La persécution des chrétiens a empiré depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping. Lui aussi, c'est un démon. Oui, c'est vrai. Le PCC est prêt à tout pour interdire les églises domestiques. Ils mmh. sont si malheureux. Ces dernières années, la persécution des chrétiens dans les églises domestiques est devenue insupportable. Oui. On dirait que le PCC sera toujours un démon qui résiste à Dieu. C'est sûr. Pas, ce sont tous douloureux. des ennemis de Dieu. On dirait qu'ils ont juré de tout faire pour éradiquer l'église. Oui, c'est vrai. Ah, oui. oui. Je crois que nous ne pouvons plus nous réunir. Plus de réunion oh, C'est pas possible. Tu serais d'accord Non. On croit en Dieu depuis longtemps et nous sommes respectables. Si nous sommes arrêtés, ils nous tortureront sans doute à mort. Je vis dans la peur chaque jour. Croire au Seigneur est une chose honorable, mais pourquoi dois-je agir comme un voleur Combien de temps ça va durer comme ça. D'après moi, pendant un moment, on devrait se cacher et ne plus se rencontrer. C'est ce que voudrait le Seigneur, j'en doute. Le Seigneur Jésus a dit, Soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Ça s'appelle la sagesse. Ce n'est pas de la lâcheté. D'après moi, les persécutions des chrétiens par le PCC ne s'arrêteront sans doute jamais. Ça ne fera qu'empirer. Exact. Pour être chrétien en Chine, il faut de la sagesse. Mmh. Je pense vraiment que se cacher quelque temps est complètement en accord avec la volonté du Seigneur, c'est vrai. Je crois que tous ceux qui ont été capturés vont sans doute faire des années de prison, à moins de signer une lettre de repentance, d'être des Judas. Ces prisons sont un véritable enfer. Rien ne garantit qu'ils en sortiront vivants. C'est terrifiant. Frères et sœurs, les persécutions et les tribulations qui nous arrivent font partie du grand plan divin. Nous devons endurer cette souffrance parce que nous sommes croyants. Avec les arrestations arbitraires et les persécutions du PCC, Dieu révèle notre vraie nature et renforce notre foi en lui. Elle a raison. C'est pourquoi face aux tribulations et aux persécutions, nous devrions être prudents et sages, mais surtout pas effrayés. Dieu est Tout-Puissant. Nos vies sont entre les mains du Seigneur. Vrai, oui. vrai. Bien oui. que nous vivions dans le domaine de Satan, sans la permission de Dieu Tout-Puissant, Satan n'ose pas prendre nos vies. Oui. Vrai, vrai. Nous nous cachons parce que nous avons peur d'être envoyés en prison, et nous sommes tellement effrayés par la mort qu'on a peur de vrai pour le Seigneur. Alors, comment pouvons-nous témoigner de notre foi en lui mmh, C'est la vérité. C'est-à-dire que nous sommes exposés et éliminés par les épreuves. Ça, c'est bien en fait. Les lâches ne sont pas dignes d'entrer dans le royaume de Dieu. Amen. C'est pourquoi, plus le PCC nous persécute, plus nous devrions avoir foi au Seigneur et lui être loyal. Amen. Amen. On doit abreuver les frères et les sœurs. <laughs> C'est ainsi que nous pourrons témoigner de notre foi Ça, vrai. et être enlevés dans le royaume des cieux quand le Seigneur descendra sur ces nuées. Amen. 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 Grâce soit rendue à Dieu. Et quand cela se produira, toutes les persécutions et les tribulations s'arrêteront. Oh, Comme l'a dit le Seigneur Jésus, alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et grande gloire. Amen. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes. Parce que votre délivrance se rapproche. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ces paroles sont si retournées. Le Seigneur est Ça va s'accomplir. Amen. Dans un environnement aussi hostile, la peur et la faiblesse gagnent inévitablement le cœur des chrétiens. Le plus important maintenant, c'est de trouver des moyens d'aider nos frères et nos sœurs. Mmh, c'est juste, ça devient urgent. On oui. doit les inciter à davantage prier et lire la Bible. Afin qu'ils puissent comprendre la volonté du Seigneur. C'est indispensable. Mmh. Ainsi, nous pourrons tenir ferme et témoigner au Seigneur à travers nos épreuves. Amen. Gloire à Dieu. Nous devrons de faire de notre mieux pas faire rester faire comme ça, et sans rien et faire. faire. Sœur après toutes les persécutions du Parti communiste, quelle est la situation actuelle pour nos frères et sœurs La plupart d'entre eux se sentent faibles et abattus. Quand je les vois comme ça, même moi. Peu importe à quel point les frères et sœurs se sentent abattus, en tant que responsables, on doit se fortifier et être attentif à la volonté du Seigneur. C'est à cette condition que nous pourrons soutenir nos frères et sœurs. Sœur Fou, pour être honnête, face à la persécution et la répression du PCC, nous nous serions tous effondrés si nous n'avions pas prié le Seigneur. Même aujourd'hui, nous ne nous en sommes pas remis. Sœur A, e, ce que tu dis est tout à fait vrai. Moi aussi, j'ai été arrêtée plusieurs fois par le PCC. Prier m'a aidé à surmonter ces épreuves. Loué soit le Seigneur. Je sais que je n'aurais jamais tenu le coup si je n'avais pas été aidé par les paroles du Seigneur. Exact. Nous avons tous tenu le coup grâce au Seigneur. Sœur fou, j'ai un dilemme à propos duquel je voudrais discuter avec toi. Bien sûr. Raconte-moi tout. Pendant des années, on a attendu l'arrivée du Seigneur pour être enlevé dans le royaume des cieux. Mais le Seigneur n'est toujours pas arrivé. Quand toute cette souffrance prendra-t-elle fin Nous disons toujours que le Seigneur est à la porte, mais malgré ça, il n'est toujours pas arrivé. Notre foi en Dieu ne cesse de faiblir. Nous sommes déjà en 2016. On peut dire que les prophéties sur son retour sont accomplies. Les quatre lunes de sang sont aussi apparues. Même les non-croyants savent bien qu'une grande catastrophe est imminente. Par conséquent, le Seigneur devrait être revenu. Alors comment se fait-il que nous ne l'ayons toujours pas accueilli Je me sens très mal à l'aise à ce sujet, dans mon cœur. Si nous continuons simplement à regarder vers le ciel et à attendre que le Seigneur descende sur les nuées, avons-nous une chance de le rencontrer C'est vrai. Les persécutions du gouvernement du PCC sont de plus en plus délirantes. Nos maisons ne sont plus vraiment nos maisons. Qui sait quand nous serons capturés et envoyés en prison Combien de temps devons-nous endurer cette souffrance avant que ça se termine Nous languissons que le Seigneur nous emmène dans sa demeure céleste et qu'il mette fin à cette souffrance. Mais alors que la grande catastrophe approche, le Seigneur n'est toujours pas là. Que se passe-t-il au juste N'attendons-nous pas tous l'arrivée du Seigneur? Mais c'est vrai que le Seigneur n'est toujours pas là, et qui peut comprendre? Cependant, nous avons tous vu que les catastrophes empirent et les quatre lunes de sang sont apparues. C'est vrai. Oui. Elles ont accompli la prophétie biblique du livre de Joël. Sur les serviteurs et les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel de ce jour grand et terrible. Amen. J'ai médité sur cette prophétie récemment. L'apparition des quatre lunes de sang accomplit la prophétie de la lune en sang. En plus, la prophétie dit avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Et je sens que le jour grand et terrible est peut-être une référence à la grande catastrophe. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Ces paroles doivent être relatives à ce que Dieu compte faire avant que survienne la grande catastrophe. Hmm. Oui, ça semble évident. En tout cas, c'est comme cela que j'ai reçu cette prophétie. Il semble qu'avant l'arrivée de la grande catastrophe, l'Esprit de Dieu va faire entendre sa parole pour abreuver ses serviteurs et ses servants. Oui. Je suis certain que le Saint-Esprit va réaliser une nouvelle phase de l'œuvre. C'est un nouvel éclairage. Loué soit le Seigneur. Alléluia. Ici. Les paroles de l'Esprit de Dieu et les paroles du Saint-Esprit aux églises dans le livre de l'Apocalypse semblent être liées, elles se rejoignent. Mmh. Plusieurs commentateurs de la Bible ont dit que Dieu formera un groupe de vainqueurs avant la grande catastrophe. Oui. En tout cas, c'est ce que j'en pense. La déclaration de l'Esprit de Dieu doit être liée au fait que Dieu forme un groupe de vainqueurs. Mmh. Aux yeux de Dieu, les vainqueurs sont tous des serviteurs et des servantes de Dieu. Loué soit le Seigneur, c'est sûrement son plan. Plus je méditais, et plus je pensais qu'il y a un mystère dans cette prophétie. Si c'est vraiment le cas, nous devons à présent rechercher les déclarations de l'Esprit de Dieu, et nous verrons où apparaissent les paroles du Saint-Esprit aux églises. Maintenant que tu dis ça, je me souviens que le Seigneur Jésus a prophétisé: les vierges sages iront au festin des noces quand elles entendront la voix de oui. l'époux. D'après moi, nous devrions nous dépêcher de trouver l'œuvre du Saint-Esprit, c'est ainsi qu'on verra les empreintes de l'œuvre de Dieu. C'est de la plus haute importance. Frère, Amen. Fang, ce que tu as communiqué aujourd'hui, c'est vraiment l'illumination du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Tu dis que la déclaration de l'Esprit de Dieu se rapporte à ce que l'Esprit a dit aux Églises. Ça me rappelle que l'éclair oriental a déjà témoigné du retour du Seigneur, qui est Dieu Tout-Puissant. Il a exprimé de nombreuses vérités et a entamé le jugement, à commencer par celui de la maison de Dieu, et il réunit en ce moment un groupe de vainqueurs. Pensez-vous que cela se rapporte à l'Esprit de Dieu, qui abreuve les serviteurs et les servantes de Dieu Si c'est le cas, alors nous tenons vraiment une piste Informons-nous rapidement pour voir si l'éclair oriental est vraiment l'œuvre de Dieu. On y verra plus clair. Comme ça, on saura. Frère Chang, ce que tu viens de nous communiquer, c'est une nouvelle lumière. Loué soit le Seigneur. C'est quelque chose que nous n'avions jamais vu dans la Bible. Grâce soit rendue au Seigneur. Quant à savoir si l'éclair oriental est vraiment l'œuvre de Dieu, mon opinion est la suivante. L'éclair oriental témoigne que le Seigneur Jésus est revenu qu'il a dit des vérités et accomplit l'œuvre du jugement dernier. Comment est-ce possible Le Seigneur Jésus a clairement prophétisé qu'il descendrait sur les nuées dans les derniers jours. Mais jusqu'ici, nous n'avons pas vu le Seigneur descendre sur les nuées pour emmener les croyants dans le royaume des cieux. Alors comment pouvons-nous dire que le Seigneur Jésus est revenu D'ailleurs, les pasteurs et conducteurs religieux disent souvent que toutes les paroles et l'œuvre du Seigneur sont dans la Bible. Il n'y a pas de parole ou d'œuvre du Seigneur en dehors de la Bible. En conséquence de quoi notre foi dans le Seigneur se trouve dans la Bible. Si on s'écarte de la Bible, on trahit le Seigneur. En toutes circonstances, nous devons nous en tenir à la Bible et au nom du Seigneur. Ainsi, nous pourrons être enlevés dans le royaume des cieux quand le Seigneur viendra. Surfou, au sujet de l'accueil du Seigneur. Tu le sais, nous ne cessons d'écouter ce que disent les pasteurs et les anciens et attendons que le Seigneur descende sur les nuées. Et si quelques-uns témoignent que le Seigneur est revenu, nous les rejetons sans chercher à en savoir plus. Ce n'est pas conforme à la volonté du Seigneur. Ces derniers temps, j'ai commencé à m'interroger. De bonnes brebis, des gens venant de différentes églises, ont déjà accepté l'éclair oriental. Mmh. Et la plupart d'entre eux comprennent bien la Bible. Ce sont des gens plutôt réfléchis, perspicaces. C'est vrai. Pour qu'ils acceptent l'éclair oriental, eh bien, oui. c'est qu'ils ont dû l'étudier et l'examiner de nombreuses fois. Oui, ils ne l'auraient pas accepté aveuglément. C'est pourquoi il faut quand même qu'on étudie l'éclair oriental. Si l'éclair oriental est l'apparition et l'œuvre du Seigneur, alors nous pourrons rencontrer le Seigneur. Je suis d'accord. Si l'éclair oriental n'est pas le retour du Seigneur, nous gagnerons en discernement. C'est plutôt une bonne chose, non Bien sûr. Au lieu de rester coincé à l'intérieur de l'église sans nulle part où aller, on ferait mieux de trouver l'éclair oriental. Naturellement. Allons voir si le Seigneur est vraiment revenu. Comme ça, nous saurons à quoi nous en tenir. Oui. Sœur fou, n'ai-je pas raison Nous devrions y réfléchir. Fou. Nous avons attendu jusqu'à maintenant, mais le Seigneur n'est toujours pas venu. Que se passe-t-il au juste Grâce soit rendue au Seigneur. Grâce soit rendue au Seigneur. Nous sommes dans la période finale des derniers jours. Les prophéties du retour du Seigneur sont presque toutes accomplies. Il est fort possible qu'en l'an 2000, le Seigneur descendra sur les nuées pour nous emmener dans le royaume des cieux. Amen. Ô oh Seigneur, avons-nous tort de t'attendre comme cela Pourquoi ne t'avons-nous toujours pas rencontré Ô oh Seigneur, l'éclair oriental témoigne que tu es revenu. Est-ce vrai ou pas Ô oh Seigneur. Je ne suis pas vraiment sûr. S'il te plaît, éclaire-moi. Sœur Fou, ce que tu as dit est juste. Les prophéties du Seigneur vont sans doute s'accomplir. Mais récemment, j'ai vérifié toutes les prophéties de la Bible qui concernent le retour du Seigneur. J'ai vu que quand le Seigneur a prophétisé qu'il reviendrait, il n'est pas seulement dit ⁇ Il vient avec les nuées et tout œil le verra ⁇ mais il est également prophétisé qu'il viendra comme un voleur. C'est ce qui est écrit. Comme le Seigneur l'a dit dans l'Évangile de Matthieu 24, 43, 44, Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas... C'est bien ce qui est écrit. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêt, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Mm -hmm. Il y a aussi l'Apocalypse 3:3. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Ces prophéties précisent que le Seigneur viendra comme un voleur. Il viendra en toute discrétion sans que tout le monde le sache. C'est ça. C'est pourquoi, quand on parle du retour du Seigneur, nous ne devons pas prendre de conclusions hâtives avant d'avoir étudié davantage. C'est le seul moyen de ne pas manquer le retour du Seigneur. On doit aller voir ça de plus près. Frère Fang, beaucoup de passages de la Bible prophétisent que le retour du Seigneur sera comme un voleur. Tous les chrétiens du monde en ont la même interprétation. Personne ne sait quand le Seigneur reviendra. Exact. Comme le Seigneur Jésus l'a dit, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. À mon avis, cela voudrait dire que le Seigneur descendra sur les nuées pour enlever les saints au moment où personne ne s'y attendra. Je suis d'accord. Maintenant que vous le dites. Ça me rappelle qu'il y a quelque temps, quand je me cachais dans la maison de mes proches, j'ai rencontré des gens qui diffusaient l'évangile de l'éclair oriental. L'éclair oriental Ils m'ont communiqué les prophéties du Seigneur, comme dans l'Apocalypse 16-15. Voici, je viens comme un voleur. Et aussi dans Matthieu 25-6. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre tout comme dans l'Apocalypse 3.20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Selon leur interprétation des paroles du Seigneur, le Seigneur reviendra comme un voleur. Et aussi, à minuit, quelqu'un annoncera, l'époux arrive. Cela démontre qu'à une heure que personne ne connaît, Dieu va se faire chair en tant que le Fils de l'homme et il descendra secrètement pour parler et œuvrer. Ce n'est pas quelque chose que tout le monde peut voir ou savoir. Seuls ceux qui connaissent la voix du Seigneur peuvent reconnaître qu'il est le Seigneur et le recevoir. Ils ont aussi dit que seuls ceux qui prennent soin d'écouter la voix du seigneur quand il voit quelqu'un annoncer son retour peuvent être enlevés devant le trône pour participer au banquet du seigneur ce qu'il te communiquait est juste le seigneur jésus est très clair dans ses passages des écritures tout le monde ne sera pas en mesure de voir le retour du seigneur seuls ceux qui peuvent reconnaître sa voix peuvent le rencontrer mmh. si le retour du seigneur est la descente sur les nuées qu'on imagine alors tout le monde pourra le voir, n'est-ce pas Oui. De quelle manière le Seigneur reviendra, c'est vraiment un mystère. Certes, mm -hmm. oui. en écoutant tes paroles, je crois que ce que l'éclair oriental a partagé est fidèle aux prophéties du Seigneur. Mm -hmm. Les prophéties du Seigneur Jésus parlent effectivement du fait d'écouter la voix du Seigneur. Exact. Il semble que nous devrions... Être attentif à écouter la voix du Seigneur pour l'accueillir à son retour. Mmh. C'est vrai. Ce que vous avez dit est très sensé. Nous retenions seulement la prophétie du Seigneur descendant sur les nuées sans tenir compte des autres prophéties sur son retour. Mmh. Hélas. En agissant ainsi, on risque de se tromper. Le ciel et la terre passeront, mais les paroles du Seigneur ne passeront pas. Amen. Puisque toutes ces prophéties viennent du Seigneur, il est certain qu'elles se réaliseront toutes. Oui. Les paroles du Seigneur doivent s'accomplir. Quant à savoir comment les prophéties du Seigneur s'accompliront, il y a sans doute de nombreux mystères et vérités que nous ne pouvons pas concevoir. Effectivement. Voilà pourquoi. Nous ne devons pas juger trop hâtivement. Euh, oui, oui c'est vrai. Sûr. Ces dernières années, l'éclair oriental a continué de témoigner que le Seigneur est revenu oui. et s'est exprimé pour l'accomplissement de son œuvre du jugement des derniers jours. Et cependant, nous n'y avons pas accordé la moindre attention. Mmh. C'est vrai. Au lieu de ça, nous avons suivi les pasteurs et les anciens qui condamnent l'éclair oriental. Effectivement. Quand on y réfléchit, nous avons peut-être... fait fausse route. Mmh. C'est tellement vrai. Nous devrions chercher l'éclair oriental pour voir ce qu'il en est. Mmh. Nous saurons si ce qu'il prêche est le bon chemin. Mmh. Mmh. Trouvons-les et étudions. Je suis d'accord. Ma sœur, oui. Pourrais-tu inviter des membres de l'Église de Dieu Tout-Puissant à communiquer devant tout le monde mmh. Bien sûr. Oh, bien bien. bien sûr. ça c'est oui, oui, tout bien. à fait. Oh, cette en Bonjour. Bonjour frère. Dieu soit loué. Oui, Permettez que je vous présente à tout oui, le monde. Ils sont de l'Église de Dieu Tout-Puissant, frère Li, frère Cheng et sœur Zhang. Sœur fou et l'ancienne de notre Église. Que Dieu soit loué. Vous êtes les bienvenus dans notre Église. Je vous en prie, asseyez-vous. Bienvenue. Grâce soit rendue au Seigneur. Si nous vous avons invité, c'est pour en savoir plus sur l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours. Loué soit le Grâce Seigneur. Soit rendu à Dieu. À vrai dire, nous avons entendu dire que l'Église de Dieu Tout-Puissant témoigne du retour du Seigneur Jésus, et c'est lui, Dieu Tout-Puissant. C'est Tout exact. Fait. Il prononce des vérités et réalise son œuvre de jugement des derniers jours. Oui. Mais dans les cercles religieux, la majorité des gens croient que le Seigneur reviendra en descendant sur les nuées. Oh, c'est C'est vrai. Oui, c'est oui, parce que le Seigneur Jésus a clairement dit. Alors. Le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, mm -hmm. et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Amen. Le livre de l'Apocalypse a aussi prophétisé Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Amen. Je crois toujours que le Seigneur reviendra sur les nuées pour nous enlever directement dans le royaume des cieux. Nous rejetons l'hypothèse selon laquelle le Seigneur Jésus ne descendrait pas sur les nuées. C'est pour ça que nous n'avons jamais cherché à en savoir plus sur l'éclair oriental. C'est vrai. Vous dites que le Seigneur revient dans la chair et descend en secret. Mais personne ne sait rien à ce sujet. Quoi qu'il en soit, on ne peut pas remettre en question le retour du Seigneur sur les nuées. C'est pourquoi nous attendons que le Seigneur descende sur les nuées et apparaisse ouvertement pour nous enlever directement dans le royaume des cieux. Amen. 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 C'est la vérité. Donc, la première question, c'est sommes-nous ou non dans le vrai S'il vous plaît, dites-nous en plus. Avec, Avec plaisir. plaisir. Bien, ah, oui. bien, bien. Comment peut-on avoir tort, frères et sœurs notre point de vue ne peut pas être faux. C'est évident. Le Seigneur est fidèle à sa parole. Je suis convaincu qu'il descendra sur les nuées pour nous enlever dans le royaume des cieux. Amen. Amen. Bien que la Bible ait aussi prophétisé que le Seigneur viendrait comme un voleur, et quelqu'un s'écrirait l'époux vient à minuit. C'est quelque chose qui ne mérite même pas qu'on en discute. Car oui. des faux Christ apparaîtront pour séduire les gens. Nous risquons de ne pas les reconnaître et d'être trompés. Par conséquent, je ne crois qu'au Seigneur Jésus qui descend sur les nuées. Amen. Lui Amen. ne peut être faux. Si ce n'est pas le Seigneur Jésus qui descend sur les nuées et emmène les croyants dans son royaume, on ne peut l'accepter. Oui. Ah oui c'est mon point de vue. Amen, Amen. Le Frère Jia a raison. C'est ce que je pense aussi. Amen, Amen. Frères et sœurs. Dans l'attente que le Seigneur descende sur les nuées, nous ne devons pas nous reposer sur les notions et l'imagination des hommes. C'est vrai. Les pharisiens ont commis une énorme erreur dans l'attente de l'arrivée du Messie. Oui, c'est vrai. Ils se sont précisément servis des notions et de l'imagination des hommes pour juger le Seigneur Jésus, alors qu'il était déjà arrivé. Au final, ils ont cloué le Seigneur Jésus sur la croix. C'est un fait avéré. Oui. Est-ce qu'attendre l'arrivée du Seigneur est vraiment aussi simple que nous le pensons si le Seigneur revient et œuvre parmi les humains comme le Seigneur Jésus l'avait fait dans la chair et que nous ne le reconnaissons pas, alors est-ce que nous le jugerons et le condamnerons comme les pharisiens l'ont fait en le crucifiant encore une fois Est-ce une possibilité ah Oui, oui peut-être. Ah, peut peut-être réfléchisse. réfléchissent. Oh, ah. Jamais pensé. Moi non plus. Le Seigneur Jésus a prophétisé qu'il reviendrait et a dit de nombreuses paroles à ce sujet. Mais vous ne vous accrochez qu'à la prophétie selon laquelle il descendra sur les nuées, et vous ne cherchez ni étudiez d'autres prophéties plus importantes exprimées par le Seigneur. Il est donc facile de marcher sur le mauvais chemin et d'être abandonné par le Seigneur. En réalité, il n'y a pas juste la prophétie de la descente avec les nuées dans la Bible. Il y a aussi beaucoup d'autres prophéties comme celle du Seigneur venant comme un voleur et descendant secrètement. Oui. Par exemple, dans l'Apocalypse 16, 15. Quoi qu que oui. Alors qu'est-ce qu'il dit je, je, je pas. Voici, je viens comme un voleur. Dans Matthieu 25, 6, au milieu de la nuit, on cria Voici l'époux, allez à sa rencontre Et dans l'Apocalypse 3.20, Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Toutes ces prophéties se rapportent à Dieu devenant cher en tant que fils de l'homme et descendant en secret. La mention comme un voleur signifie venir discrètement, secrètement. Correct. Les gens ne sauront pas qu'il est Dieu, même s'ils le voient ou encore l'entendent. Tout comme ce fut le cas quand le Seigneur Jésus a accompli son œuvre. Le Seigneur Jésus semblait être simplement un Fils d'homme ordinaire et personne ne savait qu'il était Dieu. C'est pour ça que le Seigneur a utilisé comme un voleur en analogie à l'apparition et l'œuvre du Fils de l'homme. Cela cadre tout à fait. Ceux qui n'aiment pas la vérité peu importe comment Dieu fait chair, parle ou œuvre, combien de vérités il exprime, il ne l'accepte pas. Au contraire, il traite Dieu dans la chair comme une personne normale, comme nous, et le condamne et l'abandonne. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit ceci sur son retour. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Amen. 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 Selon la prophétie du Seigneur, son retour sera l'avènement du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme fait référence à Dieu dans la chair. Pas au corps spirituel du Seigneur Jésus ressuscité descendant sur les nuées pour apparaître à tout le monde. Pourquoi est-ce le cas Réfléchissons-y. S'il s'agissait du corps spirituel du Seigneur Jésus ressuscité descendant publiquement sur les nuées, une telle puissance choquerait le monde. Tout le monde tomberait à terre et personne ne résisterait. C'est <laughs> logique. Ouais. Dans ce cas, le Seigneur Jésus revenu endurerait-il toutes ces souffrances rejetées par cette génération Oui, oui, oui il a raison. Il a raison, oui. Oh, il tellement a tellement bien dit. Ah, oh, ça c'est vrai. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a prophétisé que son retour serait la venue du Fils de l'homme et comme un voleur. En réalité, cela fait référence à Dieu incarné en tant que Fils de l'homme, arrivant en secret. Oui, c'est vrai, les paroles du Seigneur Jésus sont très claires. Le Seigneur revenu doit d'abord endurer beaucoup de souffrance et être rejeté. N'est-ce pas Dieu dans la chair Quelque chose manquait à la compréhension de ces écritures. Comment est-ce possible Leur échange nous a beaucoup éclairés. Nous devons écouter attentivement. Oui. Quel est le lien entre le Fils de l'homme descendant en secret pour accomplir son œuvre et Dieu apparaissant ouvertement en descendant sur les nuées Qu'implique ce procédé Partageons simplement sur ce sujet. Grâce Dieu soit au, au Seigneur. Seigneur. Dans les derniers jours, Dieu est incarné et descend secrètement parmi les hommes pour s'exprimer et parler accomplissant l'œuvre de jugement d'abord sur sa maison purifiant et perfectionnant tous ceux qui entendent sa voix et retournent devant son trône, oh. et faisant d'eux un groupe de vainqueurs. Alors Dieu provoque la grande catastrophe, raffinant et châtiant tous ceux qui n'acceptent pas le jugement de Dieu dans les derniers jours. Ensuite Dieu descendra sur les nuées pour apparaître ouvertement devant tous les hommes. Cela accomplira alors complètement la prophétie dans l'Apocalypse 1.7. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Amen. Tout le monde se demande pourquoi, quand le Seigneur descend sur les nuées, ceux qui l'ont percé peuvent quand même le voir. Demandons-nous. Qui sont les gens qui l'ont percé Ai-je vraiment besoin de le dire Ne sont-ils pas ceux qui ont crucifié le Seigneur Jésus en premier lieu si. si. Certains disent que ce sont ceux qui ont cloué le Seigneur Jésus à la croix. Mais est-ce vraiment le cas Ceux qui ont crucifié le Seigneur Jésus n'ont-ils pas été maudits et détruits par Dieu il y a longtemps C'est vrai. Oui, c'est tout à fait vrai. Il a oui, raison, en vrai, effet. C'est vrai. En réalité, ceux qui l'ont percé sont ceux qui, pendant la période où Dieu incarné est descendu en secret dans les derniers jours pour œuvrer, ne cherchent pas la voie de Dieu, condamnent Dieu Tout-Puissant et lui résistent. C'est vrai. Ils verront alors que le Dieu Tout-Puissant à qui ils ont résisté et qu'ils ont condamné est précisément le Jésus Sauveur qu'ils ont amèrement attendu toutes ces années. Ils se frapperont la poitrine, pleureront et grinceront des dents. Et ils ne pourront échapper au châtiment. Le livre de l'Apocalypse ne dit pas si de tels gens vivent ou meurent à la fin, donc il nous est impossible de le savoir. Dieu est le seul à savoir. Jusqu'à ce point, tout le monde devrait comprendre. Seules les vierges sages qui entendent la voix de Dieu ont la possibilité d'accueillir le retour du Seigneur et d'être amené devant le trône de Dieu pour participer au souper des noces de l'agneau et d'être rendu parfaite par Dieu en tant que vainqueur. Cela accomplit la prophétie dans l'Apocalypse 4 Ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Amen. Amen. Loué soit notre Dieu. Dieu soit loué. Quant à ceux qui ne s'attachent qu'à la notion selon laquelle le Seigneur descendra sur les nuées mais ne cherchent pas l'œuvre de Dieu des derniers jours, ils sont considérés comme les vierges folles. Oh. En particulier ceux qui résistent furieusement à Dieu Tout-Puissant et le condamnent. Ce sont les pharisiens et les antichrists dévoilés par l'œuvre de Dieu dans les derniers jours. Ce sont tous des gens qui ont recrucifié Dieu. Tous ces gens vont tomber dans les grandes catastrophes et recevoir un châtiment. Ce dont nous avons parlé, l'erreur qu'ont commis les gens qui ne reçoivent que le Seigneur qui descend sur les nuées, le type de gens qu'ils sont, quelle sera leur fin, je pense que c'est clair pour tout le monde maintenant. Mm -hmm. C'est plus clair maintenant. Ce qu'ils ont dit est vrai. La plus grande clé pour recevoir le retour du Seigneur et d'écouter oui. la voix de Dieu, c'est tout à fait exact. Mm -hmm. Nous avons négligé ce point. Oui, ah, oui. Nous sommes de vrais idiots. On dirait bien. Il semble que nous nous devons d'examiner l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours. Oui. Une fois que nous tombons dans la catastrophe, l'issue est inimaginable. C'est vrai. Personne ne peut être sûr de qui vivra ou mourra. Oui. Mais oui. Je, je crois que dire. le renseignement alors, est vraiment écoutez. bon. Nous oui, devrions nous, nous dépêcher d'étudier. Si nous n'écoutons toujours pas la voix de Dieu, alors nous allons vraiment tomber dans la catastrophe. Oui, oui nous ferions mieux d'écouter attentivement. Ils vont nous éclairer. Oui, C'est vrai. Pour très oui. Ça va être très oui. Vous avez dit que lorsque le Seigneur reviendra, oui. il se fera d'abord cher et arrivera en secret. Et après avoir formé un groupe de vainqueurs, il descendra publiquement avec les nuées. Une telle interprétation a du sens. Mais pendant 2000 ans, la plupart des croyants ont tous attendu que le Seigneur descende avec les nuées. Oui, Amen. Les pasteurs et anciens religieux le disent aussi souvent. Oui. Alors. Comment pouvons-nous nous tromper en attendant conformément la prophétie de la Bible bah, bah, vrai. Oui. Oui, pas, pas, Les pasteurs et anciens religieux sont tous des personnes qui servent le Seigneur. Oui. oui, ils attendent le retour du Seigneur comme ça. Je ne crois pas que le Seigneur revenu abandonnerait tous ces pasteurs et anciens religieux. Non, c'est oh, c'est absolument oh. impossible. Oui, nous devons écouter les pasteurs et les anciens. Amen. Amen. Les pasteurs et les anciens croient depuis plus longtemps et comprennent mieux la Bible. Mm, c'est vrai. Nous devons écouter ce qu'ils disent. Oui, oui Amen. Amen. Oui, nous devons suivre ce que les pasteurs et les anciens disent tant que c'est fondé sur la Bible. Tout Amen. à fait. Obéir aux pasteurs et aux anciens, c'est obéir au Seigneur. Amen. Amen. C'est suffisant si nous suivons simplement les paroles des pasteurs et des anciens et attendons que le Seigneur descende avec les nuées. Le Seigneur est miséricordieux. Il ne nous abandonnera pas, et mieux encore, il ne nous punira pas. Amen. Amen. Il oui. ne nous abandonnera Amen. certainement oui. pas. Sur quoi vous basez-vous pour proférer de telles paroles Ce que vous avez dit est-il en accord avec la parole du Seigneur Jésus Est-ce basé sur les paroles de Dieu Si ce que vous dites est complètement fondé sur les notions et l'imagination humaine, alors c'est un acte de résistance. Voyons comment les pharisiens ont attendu l'arrivée du Messie et pourquoi ils ont cloué le Seigneur Jésus sur la croix. Au départ, les pharisiens juifs étaient pleins de conceptions erronées quand il s'agissait du Messie. Ils ont vu la prophétie biblique. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule et toi bethléem ephrata petite entre les milliers de judas de toi sortira pour moi celui qui dominera sur israël et dont l'origine remonte aux temps anciens aux jours de l'éternité se basant sur les paroles des prophéties bibliques et diverses fantasmes et déductions à force de chercher concernant l'arrivée du messie les pharisiens ont déterminé que le Seigneur serait forcément appelé le Messie, et certainement né d'une famille riche. Par ailleurs, il serait comme David et deviendrait le roi d'Israël. Il les délivrerait de la domination du gouvernement romain. La plupart des Israélites pensaient probablement de cette façon. En effet, c'est vrai. Bien dit, bien parlé. Ah, ça, Mais Dieu n'a pas accompli ses prophéties selon leurs notions et leur imagination. Ainsi les pharisiens ont essayé de trouver toutes sortes d'accusations contre le Seigneur Jésus, et ils l'ont condamné et ont blasphémé contre lui, même si à l'époque le Seigneur Jésus avait déclaré beaucoup de vérités et fait beaucoup de miracles, démontrant pleinement l'autorité et la puissance de Dieu. Les pharisiens ne se souciaient pas de la profondeur des paroles du Seigneur Jésus, ni même de la grandeur de son autorité. Cela n'était pas conforme à leurs notions et imaginations. Il n'était pas né dans une famille riche. Son apparence n'était pas noble et digne. Et puisque son nom n'était pas le Messie, il condamneraient et résisterait. Oh oui, c'est vrai. Bien, oui. Bien C'est vrai. Ah, oui. Parce qu'ils détestent la vérité. Ils ont fini par clouer sur la croix le Seigneur Jésus, qui a dit des vérités et accompli l'œuvre de rédemption. Ah, c'est oui, ce qu'ils ont fait. Ah, oui. Mes frères et sœurs, les pharisiens sont-ils détestables ah, Oh oui, c'est vrai, détestable. Oh ah, oui. Ah, Devraient-ils ah. être maudits Oui, ils oui. devraient être oui. maudits. Maudit. Mais oui, c'est scandaleux. Les péchés des pharisiens qui ont résisté et condamné le Seigneur Jésus ont pleinement exposé leur nature satanique qui est au plus haut point la vérité. Cela démontre que leur cœur n'attendait pas vraiment que le Messie les sauve du péché. Mais qu'attendaient-ils plutôt Ils attendaient le roi des Juifs qui les délivrerait de la domination romaine, de sorte qu'ils ne souffrent plus comme des esclaves. Ils ont cru en Dieu et ont anticipé l'arrivée du Messie, parce qu'ils voulaient satisfaire leurs propres désirs et protéger leur statut. Réfléchissons-y. Quelle erreur les pharisiens ont-ils commise en attendant l'arrivée de leur Messie pourquoi ont-ils été maudits et punis par Dieu Ça donne vraiment à réfléchir. Il y a matière à réflexion. Oui. oui. Ah, oui. Il faut y ah, oui. penser. Ah, en oui. Oui. Intéressant. Oui. Oh, oui. Pourquoi les pharisiens ont-ils résisté au Seigneur Jésus et l'ont-ils condamné lorsqu'Il est venu accomplir Son œuvre Quelles sont la nature et la substance des pharisiens démontrés ici ce sont des problèmes que doivent comprendre les personnes qui souhaitent l'apparition de Dieu. C'est en effet digne d'une réflexion profonde, si nous ne pouvons pas cerner ces problèmes. Alors pour ce qui est de recevoir le Seigneur Jésus revenu, nous pourrions très bien nous retrouver sur le même chemin que les pharisiens et résister à Dieu. Tout cela n'est-il pas vrai Si. C'est effrayant. Nous ne pouvons pas suivre le même chemin que les pharisiens. Comment les pharisiens attendaient-ils l'arrivée du Messie Pourquoi ont-ils crucifié le Seigneur Jésus Quelle est la source de ces questions Voyons ce que nous a dit Dieu Tout-Puissant. D'accord. Oui, oui, d'accord. Oh, je ne sais pas. Dieu Tout-Puissant dit… Voulez-vous savoir ce qui a poussé les pharisiens à s'opposer à Jésus Voulez-vous connaître l'essence des pharisiens Ils étaient remplis de fantasmes sur le Messie. De plus, ils croyaient seulement que le Messie viendrait, mais ne cherchaient pas la vérité de la vie. Et ainsi, encore aujourd'hui, ils attendent le Messie. Car ils n'ont aucune connaissance de la voie de la vie et ne savent pas ce qu'est la voie de la vérité. Comment, dites-vous, ces gens insensés, têtus et ignorants peuvent-ils obtenir la bénédiction de Dieu Comment pourraient-ils voir le Messie Ils se sont opposés à Jésus. Parce qu'ils ne connaissaient pas la direction de l'œuvre du Saint-Esprit. Parce qu'ils ne connaissaient pas le chemin de la vérité parlé par Jésus. Et en outre, parce qu'ils ne comprenaient pas le Messie. Et puisqu'ils n'avaient jamais vu le Messie et n'avaient jamais été en compagnie du Messie, ils ont commis l'erreur de rendre un hommage vide au nom du Messie, tout en s'opposant à l'essence du Messie par tous les moyens. Ces pharisiens étaient par essence très têtus, arrogants, et n'obéissaient pas à la vérité. Le principe de leur croyance en Dieu est, quelle que soit la profondeur de ta prédication, quelle que soit la hauteur de ton autorité, tu n'es Christ que si tu es appelé le Messie. Ces opinions ne sont-elles pas absurdes et ridicules C'est ce que dit Dieu. Après lecture de ces paroles, l'essence et la source de la résistance des pharisiens au Seigneur Jésus dans l'attente du Messie devraient nous être clairs. Ah, oui. Oui. En ce qui concerne la façon de recevoir oui. le retour du Seigneur, si l'homme s'appuie sur ses notions et attend comme un idiot que le Seigneur descende sur les nuées, au lieu de chercher la vérité et d'écouter la voix de Dieu, ne prendra-t-il pas le même chemin que les pharisiens qui ont résisté à Dieu si, si, si. Oui. Si oui. Bien sûr. Alors demandons-nous qu'obtiendra l'homme Il sera maudit et puni comme les pharisiens. Vous avez raison, apparemment tout le monde a compris. Ce que vous nous avez dit est tout à fait vrai. Ces pharisiens juifs se sont fiés à leurs notions pour anticiper le retour du Messie. Ils ont condamné le Seigneur Jésus, lui ont résisté et ont été maudits par Dieu. Et nous aussi, nous nous appuyons sur nos notions et notre imagination. En attendant le retour du Seigneur, nous pensons que lorsqu'il reviendra dans les derniers jours, il descendra sur les nuées et nous emmènera directement dans le royaume des cieux. Nous pensons même que si le Seigneur Jésus ne descend pas sur les nuées, alors ce n'est pas le vrai. En conséquence, nous suivons aveuglément les pasteurs et les anciens en condamnant l'éclair oriental. Ce faisant, ne sommes-nous pas comme les pharisiens commettant l'erreur de résister au Seigneur et de le condamner C'est terrifiant d'y penser maintenant. Sœur Wei, même si leurs paroles sont raisonnables et conformes à la Bible, je crois toujours que le Seigneur descendra sur les nuées. Amen. Je crois que le Seigneur descendra sur les nuées pour nous emmener dans le royaume des cieux. Amen. Parce que le Seigneur a dit que ceux qui l'attendent ne seront pas confondus. Oui. Tout à fait. Je suis d'accord avec le frère Dia. Amen. Frère Dia. Avant, nous comprenions la même chose et croyons que le Seigneur reviendrait sur les nuées pour nous emmener directement dans son royaume. Après ce que nous venons d'apprendre, nous pourrions nous tromper. Ce qu'ils viennent de nous dire en se basant sur les prophéties du Seigneur dans la Bible est très clair. Le Seigneur Jésus reviendra dans les derniers jours secrètement d'abord dans la chair en tant que Fils de l'homme. Il accomplira l'œuvre du jugement en commençant par la maison de Dieu et formera un groupe de vainqueurs avant la catastrophe, avant d'apparaître publiquement en descendant sur les nuées. Je pense que cela est tout à fait conforme à la Bible et aux paroles du Seigneur. Quelqu'un a maintenant témoigné de l'avènement de l'époux. Avons-nous examiné ce fait Qu'avons-nous fait À quoi étions-nous occupés Nous avons tous suivi des guides religieux en condamnant l'éclair oriental. Est-ce correct Est-ce conforme aux intentions du Seigneur Même si nous ne pouvons toujours pas être sûrs que Dieu Tout-Puissant soit le retour du Seigneur Jésus, nous devrions au moins faire des recherches. Ouais, ouais, oui, nous devons faire des recherches. Nous devons écouter la parole de Dieu Tout-Puissant pour voir s'il s'agit de la voix du Seigneur ou non. Oui, en effet. Si nous ne le faisons pas, dès que nous aurons manqué l'occasion d'être perfectionnés par le Seigneur pour devenir des vainqueurs, nous serons pris par la catastrophe et punis. Notre perte sera alors énorme. Ah oui. Oh oui, oui, Nous ne devons pas oui. manquer cette oui. possibilité. Sœur Fou a raison. La souffrance que nous avons endurée en croyant au Seigneur aurait été vaine. Ah, oui, oui. 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 Ah, oui, oui. Alors nous serions vraiment des vierges folles. Oui. 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 Absolument. Oui. Ah, oui. Nous ferions mieux. De laisser les frères et les sœurs de l'Église de Dieu Tout-Puissant nous en parler un peu plus. Oui. Oui. Faites-les oui. écouter. Attentif, oui. Oui. Les frères, oui. pouvez-vous pouvez nous en dire un peu plus Rendons grâce à Dieu, frères et sœurs. L'Évangile du Royaume de Dieu Tout-Puissant se répand dans toute la Chine continentale depuis plus de 20 ans. Il s'est répandu dans diverses confessions religieuses. C'est vrai. Au cours de cette période, en raison de la répression furieuse du Parti communiste associé à la campagne de propagande des médias du parti. Dieu Tout-Puissant est déjà un nom familier que tout le monde connaît. C'est vrai. Tout à fait. Plus tard, toutes les vérités exprimées par Dieu Tout-Puissant et les divers films et vidéos produits par l'Église de Dieu Tout-Puissant ont été diffusés en ligne, se répandant à travers le monde. C'est vrai. Oui, vrai. absolument. Oui. Je pense que les gens dans les cercles religieux ont tous entendu parler des diverses méthodes de témoignage de l'Église de Dieu Tout-Puissant. C'est vrai, nous en avons effectivement entendu parler. Tellement de personnes ont témoigné de la venue de Dieu, ce qui accomplit la prophétie du Seigneur Jésus. Au milieu de la nuit, on cria, Voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors pourquoi les pasteurs et les anciens religieux condamnent furieusement l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours et lui résistent il existe dans la Bible tellement de prophéties sur le retour du Seigneur. Alors pourquoi sont-ils tellement fixés sur la prophétie du Seigneur descendant sur les nuées Pourquoi, quand ils entendent qu'il y a des témoignages de la venue du Seigneur, ils ne les examinent pas Oui, c'est vrai. Pourquoi, alors qu'ils savent que Dieu Tout-Puissant a exprimé de nombreuses vérités, et qu'ils ont vu la réalité de l'œuvre de Dieu, sont-ils obstinément attachés à leurs notions et imaginations, résistant à l'œuvre de Dieu des derniers jours et la condamnant Bonne question. Ces personnes aiment-elles la vérité et attendent-elles vraiment l'avènement du Seigneur ou pas Sont-elles des vierges sages ou des vierges folles Si elles sont des vierges sages et attendent réellement le retour du Seigneur, alors pourquoi quand elles entendent la voix de Dieu et voient l'évangile du règne prospérer, Condamnent-elles et résistent-elles obstinément Serait-ce leur sincérité à désirer et à espérer que le Seigneur apparaisse Cela pourrait-il être leur véritable expression de réjouissance quant au retour du Seigneur Non. non merci. En définitive, pour être franc, leur croyance en notre Seigneur et leur intérêt à voir le retour du Seigneur Jésus sont faux mais leur envie d'être bénis et d'entrer dans le royaume des cieux est réelle. Oui. oui. Ah, oui. oui. Elle a raison. Ah, oui. Elle croit au Seigneur, pas pour chercher la vérité et obtenir la vie, ni pour obtenir la vérité et s'éloigner du péché. Qu'est-ce qui les préoccupe le plus Que le Seigneur descende pour les amener directement dans le royaume des cieux et les faire échapper à la souffrance de la chair et qu'elles profitent des bénédictions du royaume des cieux voilà le but réel de leur croyance en Dieu. Bien dit. Ah, Dites-moi, en dehors de cette raison, pourquoi rejette-t-elle Dieu Tout-Puissant qui exprime des vérités pour sauver l'humanité Tout le monde peut y penser. Si quelqu'un aime la vérité et a vraiment envie de voir Dieu apparaître, Comment agira-t-il quand il entendra que le Seigneur est venu Ne va-t-il pas écouter, regarder, entrer en contact avec cette réalité oui, oui. Refusera-t-il, condamnera-t-il et résistera-t-il aveuglément non, je crois pas. Non, non. Certainement pas. C'est vrai, certainement pas. Parce que celui qui recherche sincèrement l'apparition de Dieu et accueille son arrivée recherche la manifestation de la vraie lumière, et que la vérité et la justice dominent dans son cœur. Elle veut que Dieu vienne sauver l'humanité et aide les gens à échapper complètement au péché pour devenir saints et être gagnés par Dieu. N'est-ce pas vrai tout le monde En effet, ceux qui attendent uniquement que le Seigneur descende, mais nient et rejettent Dieu Tout-Puissant. En particulier ces guides religieux qui condamnent furieusement Dieu Tout-Puissant et lui résistent pour protéger leur statut et leurs moyens de subsistance. Ce sont toutes des personnes qui méprisent et détestent la vérité. Elles sont toutes des non-croyants et des antichrists mis à nu par l'œuvre de Dieu des derniers jours. Une fois que Dieu fait chair, aura accompli son œuvre de salut, ces personnes tomberont dans le cataclysme tout à fait exceptionnel, pleurant et grinçant des dents. Ah bon, incroyable. Ah, incroyable. Incroyable, quand même. Ensuite, ah, oui. la prophétie du Seigneur descendant sur les nuées pour apparaître publiquement sera complètement accomplie. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Amen. Oh alors là, c'est quand même fou. Ah oui oui. Nous ne l'aurions pas ah, su si nous n'avions pas possible. écouté leur échange aujourd'hui. Ce qu'ils ont dit est vraiment édifiant. C'est difficile. Ah oui. Euh, oui. Frères et sœurs, Regardons ce que dit la parole de Dieu Tout-Puissant. D'accord. Oui. Entendu. Il a raison. Ah, oui. Dieu Tout-Puissant dit, les gens qui n'acceptent pas la vérité, mais attendent aveuglément l'arrivée de Jésus sur des nuées blanches, ils blasphémeront certainement contre le Saint-Esprit. Et c'est l'espèce qui sera détruite. Vous aspirez seulement à recevoir la grâce de Jésus, et vous voulez simplement profiter du royaume bienheureux du ciel. Pourtant, vous n'avez jamais obéi aux paroles de Jésus, et vous n'avez jamais reçu la vérité exprimée par Jésus quand il revient dans la chair. Qu'offrirez-vous en échange pour le fait que Jésus revient sur une nuée blanche Est-ce la sincérité par laquelle vous commettez inlassablement des péchés et puis les avouez sans cesse Qu'offrirez-vous en sacrifice à Jésus qui revient sur une nuée blanche Est-ce les années de travail par lesquelles vous vous exaltez Qu'offrirez-vous pour que Jésus qui revient ait confiance en vous Est-ce votre nature arrogante qui n'obéit pas à la vérité Je vous le dis, ceux qui croient en Dieu à cause des signes sont sûrement la catégorie qui souffrira de la destruction. Ceux qui sont incapables d'accepter les paroles de Jésus qui est revenu dans la chair sont sûrement la lignée de l'enfer. Les descendants de l'archange, la catégorie qui sera soumise à la destruction éternelle. Beaucoup de gens ne se soucient peut-être pas de ce que je dis. Mais je veux toujours dire à chaque soi-disant saint qui suit Jésus, que quand vous verrez Jésus descendre du ciel sur une nuée blanche de vos propres yeux, ce sera l'apparition publique du Soleil de justice. Peut-être que ce sera un moment de grande excitation pour toi, mais tu dois savoir que le moment où tu verras la descente de Jésus du ciel est aussi le moment où tu descendras en enfer pour être puni. Il annoncera la fin du plan de gestion de Dieu, et ce sera quand Dieu récompensera le bien et punira les méchants. Car le jugement de Dieu aura pris fin avant que l'homme ne voie des signes. Il n'y aura plus que l'expression de la vérité. Oh, Dieu, oh, Dieu soit loué Oui merci Ceux qui acceptent la vérité et ne cherchent pas des signes et ont donc été purifiés iront devant le trône de Dieu et entreront dans les bras du Créateur. Seuls ceux qui persistent à croire que le Jésus qui ne monte pas sur une nuée blanche est un faux Christ seront soumis à un châtiment éternel. Car ils ne croient qu'au Jésus qui manifestent des signes, mais ne reconnaissent pas le Jésus qui proclame le jugement sévère et libère la vraie voie de la vie. Et donc, il est certain que Jésus s'occupera d'eux quand il reviendra ouvertement sur une nuée blanche. Ils sont trop têtus, trop confiants en eux-mêmes, trop arrogants. Comment ces dégénérés pourraient-ils être récompensés par Jésus Tenez, buvez un peu d'eau. À quoi pensez-vous oh. Je pensais que je crois au Seigneur depuis tant d'années, mais la façon dont j'ai considéré son retour, je n'ai jamais vraiment recherché les intentions du Seigneur je continue à vivre selon mes propres notions et mon imagination, attendant de manière insensée que le Seigneur descende sur les nuées pour m'emmener dans le royaume des cieux, pour que je profite des bénédictions du royaume de Dieu. Bien que beaucoup de personnes m'aient témoigné de l'œuvre de Dieu Tout-Puissant durant ces années, je refusais obstinément d'écouter la voix du Seigneur et je niais son retour. Maintenant que j'y pense, je suis vraiment trop arrogante. En quoi suis-je différente de ces pharisiens qui ont résisté au Seigneur Jésus C'est vrai en effet. Vous savez, au cours de ces années, les gens de l'Église de Dieu Tout-Puissant ont continué à témoigner du retour du Seigneur. Pourquoi ne nous y sommes-nous pas intéressés C'est vrai. En y réfléchissant, je crois que nous étions vraiment trop arrogants et vaniteux. Tellement stupides. En effet. Aujourd'hui, je comprends bien mieux. Tout le monde veut accueillir le Seigneur et être emmené dans le royaume des cieux. Mais la plupart des gens ne prêtent pas attention à la voix du Seigneur ou ne recherchent pas la manifestation et l'œuvre du Seigneur. Oui. C'est la plus grande erreur de notre foi envers le Seigneur et également notre désobéissance oui, en effet. Si les frères et sœurs de l'église de Dieu tout-puissant n'avaient pas communiqué sincèrement avec nous, qui d'entre nous aurait pu reconnaître la voix de Dieu Qui d'entre nous aurait vu la manifestation de Dieu Merci au Seigneur. Nous devons réellement communiquer avec eux à la réunion d'aujourd'hui. D'accord. Soyons attentifs et écoutons-les. Frère Lee. Oui. Ces derniers jours, nous avons écouté des paroles de Dieu Tout-Puissant et avons beaucoup appris. Nous croyons fermement que les paroles de Dieu Tout-Puissant sont la vérité. Oui. oui. Merci à Dieu. Cependant, il reste encore des questions que nous ne comprenons pas très bien. S'il vous plaît, continuez d'échanger avec nous. Bien sûr. Posez-nous ces questions et nous y répondrons. D'accord. Alors voilà. Je vous ai entendu témoigner que Dieu Tout-Puissant incarné a exprimé des millions de mots et a entrepris son œuvre de jugement, à commencer par la maison de Dieu. Oui, c'est ça. Mais cela dépasse clairement la Bible. Oui, en effet. C'est parce que les pasteurs et les guides nous disent souvent que toute la parole de Dieu et Son œuvre sont dans la Bible, mm. qu'il n'y a aucune mm. parole et œuvre de Dieu en dehors de la Bible. Amen, amen. L'œuvre du salut du Seigneur Jésus a déjà été accomplie. Le retour du Seigneur dans les derniers jours sera pour emmener directement les croyants dans Son royaume. Oh, amen. Amen. amen Alors, nous pensions que, pour croire au Seigneur, il fallait absolument se baser sur la Bible. Tant que nous suivions la Bible, nous pourrions entrer dans le royaume des cieux. Amen, amen. Oui. Ah, oui. Mm. Mais au vu de ce que vous nous avez dit, notre point de vue semble être erroné. Hein En quoi est-ce erroné Je ne sais tu pas. Mais nous n'arrivons pas à voir au-delà. Alors, s'il vous plaît, continuez d'échanger avec nous. Oui, d'accord. Oui, avec... euh, J'aimerais dire quelques mots. Frères et sœurs, notre point de vue... Ne peut pas être erroné. Exactement. La parole et l'œuvre de Dieu sont inscrites dans la Bible. Oui. oui. Dieu n'aurait pas parlé et œuvré en dehors de la Bible. Amen. Notre croyance au Seigneur s'est toujours basée sur la Bible. Amen. S'en éloigner, c'est abandonner le chemin du Seigneur. C'est lui résister et le trahir. Tous les pasteurs et anciens le pensent et l'enseignent. En quoi cela serait-il erroné? C'est vrai. Le salut de Dieu dans la Bible est complet. Amen. Amen. C'est pourquoi nous nous ne devons jamais nous écarter de la Bible, frères et sœurs. Tant que nous nous en tenons à la Bible, nous serons emmenés dans le royaume des cieux quand le Seigneur reviendra. Amen. Amen. Nous devons avoir cette confiance. Oui. Oui. C'est vrai. J'aimerais entendre ce que vous avez à dire d'autre. Mm -hmm. Dans la religion, tous ceux qui croient au Seigneur pensent que toute la parole et l'œuvre de Dieu sont dans la Bible, que le salut de Dieu dans la Bible est complet, et qu'il n'y a aucune parole et œuvre de Dieu en dehors de la Bible. Pour croire au Seigneur, il faut se baser sur la Bible et rien d'autre. Tant que nous suivons la Bible, quand le Seigneur reviendra, nous serons emmenés dans son royaume. Un tel point de vue pourrait être conforme aux notions et à l'imagination des gens. Mais cela est-il réellement basé sur les paroles du Seigneur Jésus Pouvez-vous garantir que cela soit conforme à la vérité Le Seigneur Jésus n'a jamais dit que la parole et l'œuvre de Dieu sont toutes inscrites dans la Bible, qu'il n'y a aucune parole et œuvre de Dieu en dehors de la Bible. Ceci est la vérité. Oui, c'est vrai. Les gens qui comprennent la Bible savent tous qu'elle a été assemblée par le genre humain beaucoup d'années après l'œuvre du Seigneur. L'œuvre du Seigneur est venue en premier, puis l'écriture de la Bible. C'est vrai. C'est vrai. En d'autres mots, chaque fois que Dieu accomplissait une étape de son œuvre, ceux qui étaient témoins de l'œuvre de Dieu notaient sa parole et son œuvre sur le moment même. Et ces notes ont été assemblées par des personnes dans la Bible. Oui. Lorsque nous y réfléchissons, Comment l'œuvre que Dieu n'a pas encore accomplie peut-elle être compilée à l'avance dans la Bible ah, oui. Oui, L'œuvre du jugement de Dieu des derniers jours, en particulier, n'aurait pas pu être inscrite dans la Bible. Non. Le Nouveau et l'Ancien Testament font partie de la Bible depuis près de deux mille ans. Dieu Tout-Puissant vient de commencer son œuvre de jugement des derniers jours. En conséquence. La parole et l'œuvre de Dieu dans les derniers jours n'auraient pas pu être inscrites dans la Bible des milliers d'années auparavant. Oui. N'est-ce oui. pas vrai hum. oui. oui, en effet, il a raison. Tout à fait. Dans les derniers jours, Dieu Tout-Puissant a entrepris l'œuvre de jugement, à commencer par la maison de Dieu, en exprimant plusieurs millions de paroles. Ces paroles sont toutes des vérités qui purifient et qui sauvent l'être humain, et qui sont le chemin de la vie éternelle apportée par le Christ des derniers jours. Oui. Elles ont déjà été compilées dans la Bible de l'ère du règne. C'est le livre intitulé La parole apparaît dans la chair. Bien que les vérités exprimées par Dieu Tout-Puissant n'aient pas été inscrites à l'avance dans la Bible, elles sont l'accomplissement des prophéties du Seigneur Jésus. Nous allons lire quelques passages de la Bible. Veuillez prendre Jean 16, 12, 13. Puis l'Apocalypse de Qui souhaiterait lire Permettez-moi. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Amen. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises Amen. 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 La vérité exprimée par Dieu Tout-Puissant a complètement prouvé que Dieu Tout-Puissant est l'incarnation de l'esprit de la vérité. Oui. Il est le Dieu incarné dans la chair. Toutes sûr. les paroles exprimées par Dieu Tout-Puissant, les expressions de l'esprit de vérité dans les derniers jours, sont des paroles du Saint-Esprit aux églises. Amen. Pouvons-nous oser dire que ce ne sont pas des paroles de Dieu Pouvons-nous toujours nier cela Si nous voyons la réalité de Dieu qui parle et qui œuvre dans les derniers jours, est-ce que nous dirons encore que toutes les paroles de Dieu sont inscrites dans la Bible et qu'il n'y a aucune parole et œuvre de Dieu en dehors de la Bible ah, ça je... Non, on ne peut que... pas dire ça. En oui. effet, nous ne comprenons pas l'histoire de l'élaboration de la Bible. Nous ne savons pas que la Bible a été formée seulement une fois que Dieu a terminé chaque étape de Son œuvre, et nous concluons et déterminons de manière arbitraire qu'il n'y a aucune parole et aucune œuvre de Dieu en dehors de la Bible. Ne nous montrons-nous pas arbitraires et absurdes Oui. En effet, oui. la Bible a été assemblée par l'homme après que Dieu a réalisé Son œuvre. Comment l'œuvre de Dieu dans les derniers jours pourrait-elle apparaître dans la Bible à l'avance Oui. Nous croyons depuis beaucoup d'années, mais nous n'avons pas vu une telle chose. Nous sommes vraiment très ignorants. Oui. Ah, ah. sûr. oui. Frères et sœurs, oui. si nous ne comprenons pas comment la Bible a été formée et son histoire, il peut être très facile de s'écarter du chemin de la foi en Dieu. Oui, oui. En fait, durant les deux étapes de l'œuvre de Dieu dans l'ère de la loi et l'ère de la grâce, toutes les paroles exprimées par Dieu n'étaient pas complètement inscrites dans la Bible. Par exemple, dans l'ère de la loi, il y avait des prophètes dont les prophéties n'étaient pas inscrites dans la Bible. C'est un fait que beaucoup de frères et sœurs connaissent certainement. Oui, en effet. Oui. Ah, Certaines prophéties fait, du prophète Ezra n'ont pas été inscrites dans la Bible. Sous l'ère de la grâce, il y avait encore plus de paroles prononcées par le Seigneur. Mm -hmm. Mais les paroles qui sont inscrites dans la Bible sont très limitées. Oui. Réfléchissez un peu. Le Seigneur Jésus a prêché sur la terre pendant trois ans et demi. Combien de mots a-t-il prononcé chaque jour Combien de mots a-t-il prononcé dans chaque sermon Oui. Il y a eu énormément de sermons et de mots prononcés par le Seigneur Jésus durant ces trois ans et demi. Il n'y a aucun moyen de calculer le nombre. c'est oui, vrai. 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 Comme l'a dit l'apôtre Jean, Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait chacune en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. Amen. Amen Regardons maintenant les quatre évangiles du Nouveau Testament. Les paroles du Seigneur Jésus notées dans ces évangiles sont très limitées. C'est seulement la pointe émergée de l'iceberg. Oui. Ah, sûr. Si le Seigneur Jésus n'avait prononcé que les paroles retranscrites dans les quatre évangiles ces trois années et demie, comment aurait-Il pu conquérir le peuple qui le suivait à cette époque Comment, Comment l'œuvre du Seigneur Jésus aurait-elle pu secouer toute la Judée ah, C'est sûr. Oui, sûr. Par conséquent, il est certain que les paroles de Dieu inscrites dans la Bible ne contiennent qu'une portion très limitée. Certainement pas toutes les paroles prononcées par Dieu durant son œuvre. C'est un fait que personne ne peut nier. Non, on ne peut pas le nier, c'est pas possible. Oui. Oui. Nous savons tous que Dieu est le Seigneur de la création. Amen. Amen. La source de vie de l'humanité. Amen. Amen. La source d'eau vive qui ne tarit jamais. Amen. Amen. L'abondance de Dieu est inépuisable et toujours disponible. Amen. Amen. Alors que la Bible n'est qu'un registre des deux premières étapes de l'œuvre de Dieu, la quantité de paroles de Dieu inscrites est trop limitée. C'est comme une goutte dans la mer de la vie de Dieu. Amen. Amen. Comment pourrions-nous restreindre la parole et l'œuvre de Dieu à la Bible C'est comme si les paroles de Dieu étaient limitées à la Bible. N'est-ce pas limiter Dieu, le rabaisser et blasphémer contre ah, est lui vrai, si. vrai, bon, même, bon, oui, ouais, Par conséquent, oui, pareil, nous limitons toute la parole de Dieu et son œuvre à la Bible et pensons qu'il n'y a aucune parole et aucune œuvre de Dieu en dehors de la Bible. C'est une erreur majeure. En effet. Mm. Ah, oui, ah, oui. Ça, ah oui. oui. Frères et sœurs, oui. lisons quelques passages des paroles de Dieu tout-puissant et nous comprendrons encore mieux cet aspect de la vérité. Ah, oui, ah, oui. Dieu Tout-Puissant dit, Tout ce qui est inscrit dans la Bible est limité et incapable de représenter toute l'œuvre de Dieu. Les quatre évangiles ont moins de 100 chapitres au total dans lesquels sont écrits un nombre d'événements finis tels que Jésus maudissant le figuier, Pierre reniant Jésus trois fois. Jésus apparaissant aux disciples après sa crucifixion et sa résurrection. L'enseignement sur le jeûne, la prière, le divorce. La naissance et généalogie de Jésus, la nomination des disciples de Jésus et ainsi de suite. Il n'y a que quelques écrits. Mais les hommes les valorisent comme des trésors, les comparant même avec l'œuvre d'aujourd'hui. Il croit même que Jésus ne fit autant que durant le temps après sa naissance. C'est comme s'il croit que Dieu ne peut qu'en faire autant, qu'il ne peut pas y avoir plus de travail. N'est-ce pas ridicule Après tout, qui est le plus grand, Dieu ou la Bible Pourquoi l'œuvre de Dieu doit-elle être conforme à la Bible Dieu. N'aurait-il pas le droit de dépasser la Bible Dieu ne peut-il pas sortir de la Bible et faire un autre travail Pourquoi Jésus et ses disciples n'ont-ils pas observé le sabbat S'ils devaient observer le sabbat et pratiquer selon les commandements de l'Ancien Testament, pourquoi Jésus n'a-t-il pas observé le sabbat quand il est venu mais à la place, à lavé les pieds, à couvert la tête, à rompu le pain et bu du vin. Tout cela n'est-il pas absent des commandements de l'Ancien Testament Si Jésus honorait l'Ancien Testament, pourquoi a-t-il défié ses doctrines Tu dois savoir qui est venu en premier, Dieu ou la Bible Étant le Seigneur du sabbat, ne pourrait-il pas être aussi le Seigneur de la Bible Le fait que j'explique ici est le suivant. Ce que Dieu est et ce qu'il a sont pour toujours inépuisables et illimités. Dieu est la source de la vie et de toutes choses. Dieu ne peut pas être saisi par aucun être créé. Enfin, je dois encore rappeler à tout le monde, ne délimitez pas Dieu dans les livres, les paroles ou ses déclarations passées une fois encore. L'unique caractéristique de l'œuvre de Dieu est incarnée dans un seul mot. Nouveau. Il n'aime pas prendre les sentiers battus ou répéter son œuvre. Et de plus, il ne veut pas que les gens l'adorent en le délimitant dans une certaine sphère. C'est le tempérament de Dieu. Amen. Amen. Très très intéressant. Intéressant. Les paroles de Dieu tout-puissant sont réellement la vérité. Plus j'écoute, plus je me sens éclairé. Oui, merci au Seigneur. Dieu est la source de la vie humaine la source d'eau vive qui ne tarit jamais. Les paroles de Dieu ne peuvent jamais être épuisées. Comment les paroles de Dieu pourraient-elles se limiter à celles inscrites dans la Bible Elle a raison. Nous oui. étions vraiment stupides et aveugles. Nous ne connaissions pas Dieu. Nous croyons depuis des années, mais ne comprenons toujours aucune vérité. Même le fait de restreindre la parole et l'œuvre de Dieu à la Bible, comme si ce qui était inscrit dans la Bible était toute la parole et l'œuvre de Dieu. C'est en effet rabaisser Dieu et blasphémer contre Lui. Tout à fait. C'est un blasphème. Oui, tout à fait. C'est vrai, vrai. En effet. Si un croyant ne connaît pas Dieu et est arrogant, s'il ne cherche pas la vérité et n'a pas un cœur qui craint Dieu, il sera très facile pour lui de Lui résister. Oui, c'est vrai. A... Ah oui, oui, vrai. Ah, oui, ah oui, 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 Il a raison. Oui, c'est certain. Ah, oui. Frères et sœurs, je ne nie pas ce qui vient d'être dit à propos des paroles et de l'œuvre de Dieu en dehors de la Bible. Mais nous, les croyants, savons que la Bible est inspirée par Dieu. Amen. Amen. Toutes les paroles rapportées dans la Bible sont la parole de Dieu. Oui. oui, oui. On peut dire que la Bible représente le Seigneur. C'est vrai. vrai. Oui. Croire au Seigneur, c'est croire en la Bible. Croire en la Bible, c'est croire au Seigneur. S'en éloigner signifie ne pas croire au Seigneur. C'est vrai. vrai. Croire au Seigneur ne nous oblige qu'à nous attacher fermement à la Bible. Même sans accepter l'œuvre de Dieu dans les derniers jours, nous entrerons dans le royaume des cieux. Amen. Amen. Notre compréhension ne sera certainement pas fausse. Tout à fait. Frère oui. Gia a raison. Paul a clairement indiqué dans Timothée 2 que la Bible, dans son intégralité, est inspirée par Dieu. Cela signifie que chaque mot dans la Bible est la parole de Dieu, Amen. et que la Bible représente le Seigneur. C'est vrai, c'est vrai. Tout ce qu'il faut faire, c'est s'en tenir à la Bible. Nous n'avons pas besoin d'accepter l'œuvre de Dieu des derniers jours. Exact. Jésus revient pour nous emmener dans le royaume des cieux. Le Seigneur ne nous a pas dit que nous devions accepter son œuvre des derniers jours. Amen. Par conséquent, tant que nous nous attachons à la Bible, nous serons emmenés dans le royaume des cieux quand le Seigneur viendra. Amen. Osez-vous vraiment nier ce fait, frère Dia? Et frère John, vous maintenez que croire au Seigneur, c'est croire en la Bible, s'éloigner de la Bible signifie ne pas croire au Seigneur. Alors je vous pose la question. Lorsque le Seigneur Jésus prêchait et travaillait, ceux qui suivaient le Seigneur Jésus devaient sortir de leur Bible pour accepter les déclarations et l'œuvre du Seigneur Jésus. Osez-vous dire qu'ils ne croyaient pas en notre Seigneur non. non. Les pharisiens ont résisté au Seigneur Jésus et l'ont condamné précisément parce qu'ils s'en tenaient obstinément à la Bible. Ils ont été condamnés par le Seigneur. Quel est le problème Est-ce que s'en tenir à la Bible veut dire obéissance au Seigneur Est-ce que s'en tenir à la Bible signifie que l'on magnifie et vénère le Seigneur La Bible est-elle plus grande ou le Seigneur est-il plus grand Ne pouvez-vous pas dire si les pharisiens étaient des personnes qui croyaient au Seigneur ou qui résistaient au Seigneur Si. Oui. Allez-vous continuer de suivre la voie des pharisiens et résister au Seigneur ne connaissez-vous pas la conséquence si on résiste au Seigneur Le sort du châtiment subi par les pharisiens n'est-il pas suffisant pour nous éveiller Oui, il a raison, bien sûr, il a raison. On ne doit pas suivre le même chemin que les pharisiens. Oui, oui, oui. c'est vrai, c'est vrai. C'est très très intéressant, c'est vrai. La majorité du monde religieux s'appuie sur les paroles de Paul selon lesquelles toute Écriture est inspirée de Dieu pour conclure que tout le contenu de la Bible est la parole de Dieu, et que tant qu'on s'en tient à la Bible, on sera élevé au royaume des cieux. Surtout dans les derniers jours, la plupart de ceux qui croient en notre Seigneur y croient. Mais ce point de vue, est-il conforme à la vérité et aux faits Le Seigneur Jésus a-t-il jamais dit, Toute écriture est inspirée de Dieu Le Saint-Esprit en a-t-il jamais témoigné non. non, non. Exact, non. non. C'est Paul qui l'a dit. Beaucoup de croyants utilisent les mots de Paul comme base pour croire que toute parole de la Bible est inspirée par Dieu et est sa parole. N'est-ce pas une erreur grave Si. Certaines personnes croient aussi que si le mot est prononcé par un humain, il s'agit de la parole de Dieu tant que c'est rapporté dans la Bible. Ce point de vue n'est-il pas fallacieux et absurde oh oui, tout à fait, très juste. Ceux qui croient en notre Seigneur doivent tous comprendre que la Bible n'est qu'un témoignage de Dieu et un document qui raconte son œuvre. La création de la Bible était basée sur l'œuvre du salut de Dieu pour l'humanité. Chaque étape de l'œuvre de Dieu est remplie de la bataille entre Dieu et les forces du mal de oh oui, Satan. Oui, c'est vrai. C'est oui, pourquoi la parole de Dieu n'est pas la seule rapportée dans la Bible car il y a aussi des paroles de diverses personnes et même de Satan. Oui. Il s'agit d'un fait clair. En plus des paroles de Dieu, la Bible contient aussi les paroles des apôtres. Oui, et il y a aussi des paroles de pharisiens et même de Satan. Tout ceci est tout à fait vrai. Oui, c'est vrai. Est-ce est est un argument défendable de dire que chaque mot de la Bible est uniquement la parole de Dieu Non, non ce n'est certainement pas défendable. N'est-ce pas déformer la vérité et confondre le jour et la nuit ah, oui. Oui. Oui, Bien sûr. Bien sûr. <laughs> Comment des gens peuvent-ils encore développer de telles croyances erronées Pourquoi ne peuvent-ils pas parler selon les faits Quiconque a lu la Bible sait qu'elle contient des conversations entre Dieu et Moïse, mais aussi entre Dieu et Job, entre Dieu et ses élus, et entre Dieu et Satan. Oui. oui. Les paroles prononcées par la personne avec laquelle Dieu parle sont-elles devenues la parole de Dieu Non, ah, non, 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 pas du non, tout. N'est-ce pas complètement absurde oui. 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 Non, oui. complètement non. Absurd. Par conséquent, l'opinion que toute écriture est inspirée de Dieu est la parole de Dieu ne peut être défendable. Des personnes absurdes ont soutenu que la parole de l'homme dans la Bible est la parole de Dieu. Cela contredit la vérité. Cela déshonore Dieu, c'est un blasphème contre lui. Et cela offend sérieusement son tempérament. Mais ce qu'il dit est vrai, sûrement. Les paroles de Dieu sont les paroles de Dieu. Oui. Les paroles de l'homme sont les paroles de l'homme. Oui. Et les paroles de Satan sont les paroles de Satan. Oui, tout à fait. Pourquoi les gens les mélangent-ils C'est vrai. Pourquoi Les paroles de Dieu seront toujours la vérité. Amen. Amen. Les paroles de l'homme ne peuvent être la vérité. Elles peuvent tout au plus correspondre à la vérité. Oui. Amen. 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 Les paroles de Satan seront toujours des mensonges malhonnêtes. Même prononcées dix mille fois, elles seront toujours des mensonges pleins de malhonnêteté. Amen. 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 Les personnes sages devraient admettre ce fait. Oui. Oui. Il faut être stupide pour insister sur des points de vue faux. Oui. Cette question sera encore plus claire quand nous aurons lu un autre passage des paroles de Dieu Tout-Puissant. D'accord. Oui. Nous, nous rendons grâce à Dieu. Dieu. Oui. 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 Oh, oui. oui Loué soit le Seigneur. Dieu Tout-Puissant dit, aujourd'hui, les gens croient que la Bible est Dieu et que Dieu est la Bible. Ainsi, ils croient aussi que toutes les paroles de la Bible sont les seules paroles de Dieu et qu'elles ont toutes été prononcées par Dieu. Ceux qui croient en Dieu pensent même que les soixante-six livres de l'Ancien et du Nouveau Testament, bien qu'écrits par des hommes, furent dictés sous l'inspiration de Dieu, et qu'ils sont une archive des déclarations du Saint-Esprit. Cela est une interprétation erronée des gens qui n'est pas complètement en accord avec les faits. En fait, à l'exception des livres de la prophétie, la plus grande partie de l'Ancien Testament est un document historique. Certaines des épîtres du Nouveau Testament proviennent de l'expérience des gens et certaines viennent de l'éclairage du Saint-Esprit. Les épîtres pauliniennes par exemple sont nées du travail d'un homme. Elles sont toutes le résultat de l'éclairage du Saint-Esprit. Et elles ont été écrites pour les églises elles étaient des paroles d'exhortation et d'encouragement pour les frères et sœurs des églises. Elles ne sont pas des paroles prononcées par le Saint-Esprit. Ouais, Paul ne pouvait pas parler au nom du Saint-Esprit. Il n'était pas un prophète. Encore moins avait-il des visions. Ces épîtres furent écrites pour les églises d'Éphèse, de Philadelphie, de Galatie et pour d'autres églises. Et ainsi, les épîtres pauliniennes du Nouveau Testament sont des épîtres que Paul a écrites aux Églises. Elles ne furent pas inspirées par le Saint-Esprit, elles ne sont pas non plus les paroles directes du Saint-Esprit. Si les gens considèrent que des épîtres ou des paroles comme celles de Paul sont les paroles du Saint-Esprit et qu'ils les révère comme notre Dieu, alors on peut seulement dire qu'il manque de discernement. Pour parler plus sévèrement, n'est-ce pas un blasphème Comment un homme peut-il parler au nom de Dieu Et comment les gens pourraient-ils se prosterner devant ses épîtres et les paroles qu'il a prononcées, comme si elles étaient un livre saint ou un livre céleste Les paroles de Dieu pourraient-elles être prononcées nonchalamment par un homme Comment un homme pourrait-il parler au nom de Dieu la raison, raison c'est ça. Merci Seigneur. Toute la Bible n'est donc pas inspirée de Dieu La Bible contient les paroles de Dieu, mais aussi celles des hommes. Si nous voulons distinguer les paroles de la Bible provenant de Dieu et celles de l'homme, nous devons regarder de qui sont les paroles. Oui. Si elles sont prononcées par Dieu, alors il est clair que ce sont les paroles de Dieu. Oui. Si elles sont prononcées par l'homme, alors ce sont les paroles de l'homme. Cela exclut les paroles communiquées par Dieu à travers ses prophètes. Si elles sont prononcées par Satan, ces paroles sont des mensonges. Oui, oui. Vrai. oui vrai. Les distinguer de vrai. cette façon est simple et concret. Ah, c'est si bon. Oui. oui vrai. Vrai. Rendons grâce vrai. au Seigneur. Rendons grâce au Seigneur. Oui. Gloire au Seigneur. Grâce au Seigneur. Rendons grâce au Seigneur. Maintenant, quand on y réfléchit, quelles paroles dans la Bible ont été prononcées par Dieu Quelles paroles ont été prononcées par l'homme Et qui étaient les auteurs des épîtres Ils sont en fait tous clairement mentionnés dans la Bible. Oui, en effet. Oui. Oui. C'est vrai. Bien dit. Alors pourquoi allons-nous contre les faits et traitons-nous toutes les paroles de la Bible comme la parole de Dieu Nous avons tous été induits en erreur par les paroles de Paul. Toute écriture est inspirée de Dieu. Oui. Oui. Ah, oui. Oui. Ah, vrai. oui. 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 Il semble que les gens qui ne comprennent pas la vérité peuvent être très facilement dupés. Ah. Avoir oui, une confiance vrai. aveugle en l'homme et le vénérer nous écarte facilement du bon chemin. Oui. Oui, oui, oui. Dorénavant, nous ne devons plus croire aveuglément les paroles de Paul et les vénérer. Oui. oui. Mm -hmm. Nous devons mieux faire la différence. Amen, Amen. 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 Oui, vous avez tout à fait raison. C'est primordial. primordial. N'avez-vous hmm. pas distingué les paroles de Dieu de celles de l'homme dans la Bible Est-ce nécessaire Croire au Seigneur signifie croire en la Bible. La Bible représente le Seigneur. C'est vrai. Les pasteurs et les anciens le disent aussi. Oui. Et comment pourrait-il se tromper Votre croyance est confuse. Complètement. Si nous croyons au Seigneur, c'est très clair. Ah ouais, oui, c'est vrai. Oui. vrai, vrai, vrai. Ah oui. Oui. Il a raison. Il ah oui. Beaucoup de croyants pensent que la Bible représente notre Dieu, représente notre Seigneur. Croire en la Bible signifie croire au Seigneur. Croire au Seigneur, c'est croire en la Bible. Un tel point de vue ne sonne pas totalement faux. Mais pour les personnes qui ont de l'expérience, un tel point de vue ne peut être que faux. Cela montre que les gens croient en Dieu mais ne le connaissent pas. Et de plus, ils ne comprennent pas bien la relation entre la Bible et Dieu. Si quelqu'un soutient encore que la Bible représente Dieu et que croire en la Bible, c'est croire en Dieu, alors je lui demanderais, la Bible sauve-t-elle les gens ou Dieu sauve-t-il les gens oui, C'est oui, Dieu qui sauve sûr. les gens. Les gens bien sûr, bien sûr. La Bible peut-elle remplacer Dieu pour faire son œuvre Non. La Bible peut-elle remplacer l'œuvre du Saint-Esprit oh, ah, Certainement. Dieu a créé les cieux et la terre et toutes choses. La Bible peut-elle créer les cieux et la terre et toutes choses Non. Dieu est-il plus grand ou la Bible est-elle plus grande Dieu est-il venu en premier ou la Bible est-elle venue en premier Est-ce que tout le monde a réfléchi à ces questions ah, ce sont des bonnes questions. Si les gens ne peuvent toujours pas voir ces réalités qui relèvent du bon sens et doivent être comprises, sont-ils alors des personnes qui font l'expérience de l'œuvre de Dieu N'ont-ils jamais connu aucune œuvre du Saint-Esprit N'ont-ils aucune connaissance de la toute-puissance et de la sagesse de Dieu Nous savons tous que Dieu est le seul vrai Dieu, le Seigneur de la création. Amen. Amen Dieu peut prononcer des paroles. Il a créé les cieux et la terre et toutes choses, et règne sur toutes choses. Amen, Amen. Dieu est Esprit, et pourtant, Il peut devenir chair en tant que Fils de l'homme pour parler et œuvrer parmi les hommes, racheter l'homme et le sauver. Amen. Amen Dieu est réel et vivant. Amen Amen Le Tout-Puissant, qui est, qui était, et qui vient. Amen, Amen. D'autre part, la Bible n'est qu'un document qui relate les deux étapes de l'œuvre de Dieu sous l'ère de la loi et l'ère de la grâce. C'est un livre d'histoire. Comment la Bible peut-elle être comparée à Dieu Tout à fait. C'est pourquoi, quel que soit le point de vue, la Bible ne peut pas représenter Dieu. Croire en la Bible ne signifie pas croire en Dieu et s'en tenir à la bible ne signifie pas suivre Dieu. La bible c'est la bible et Dieu est Dieu. Amen. La bible et Dieu sont deux choses complètement différentes. C'est vrai. Il s'agit d'un fait que personne ne peut réfuter. C'est vrai. L'échange d'aujourd'hui oui, nous a vrai, permis de comprendre la bible c'est la bible et Dieu oui, est Dieu. Ce sont deux choses bien distinctes. Oui. Vrai. oui. Vrai. Très 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 clair. Clair. Vrai. Après avoir écouté ce que vous avez dit, ça, ça, je comprends que la bible ne peut pas bien. du tout représenter Dieu. C'est vrai. Mais quelle est la relation entre la Bible et Dieu Je ne comprends toujours pas. S'il vous plaît, dites-nous en plus. Oui, oui continuez, nous en oui, oui, continuez. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur Jésus a expliqué cette question très clairement. Prenons ensemble Jean 5, 39, 40, s'il vous plaît. Sœur, s'il te plaît, lis pour nous. D'accord. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Amen. 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 Le Seigneur Jésus a expliqué très clairement la relation entre la Bible et oui. Dieu. La Bible est un témoignage de Dieu. La Bible en elle-même n'a pas la vie éternelle et ne peut pas donner de vie à l'homme. Seul le Christ est la vérité, le chemin et la vie. Amen. Amen. Donc c'est seulement en acceptant et en suivant le Christ et en obéissant aux paroles et à l'œuvre de Dieu des derniers jours que nous pouvons obtenir la vérité et la vie éternelle. Oui, oui c'est vrai. Merci au Seigneur. Oui, merci. 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 À ce stade, essayons de voir comment il peut y avoir beaucoup de personnes dans les cercles religieux qui soutiennent toujours que croire au Seigneur signifie croire en la Bible et que s'écarter de la Bible signifie ne pas croire au Seigneur. Ils pensent même que... Tant qu'ils s'en tiennent à la Bible, ils peuvent être emmenés dans le royaume des cieux. Ce point de vue, n'est-il pas absurde selon vous oh, oui. Oh, oui. Oui, C'est en effet, stupide. Stupide. effet complètement absurde. absurde. En fait, la Bible n'est qu'un livre d'histoire, un document qui raconte l'œuvre de Dieu. Si les gens ne comprennent pas cela et continuent à s'en tenir à la Bible, alors permettez-moi d'interroger nos frères et sœurs. La Bible peut-elle remplacer l'œuvre de Dieu des derniers jours Non. La Bible peut-elle remplacer le Christ dans l'expression de la vérité Non. non. Peut-on découvrir la vérité et obtenir la vie en étudiant et en s'en tenant à la Bible non. non. Non, pas du tout. Si les gens s'en tiennent obstinément aux Écritures, comme les pharisiens, est-ce que cela prouve qu'ils suivent Dieu et lui obéissent si les gens s'en tiennent obstinément aux Écritures mais n'acceptent pas ni n'obéissent à l'œuvre du Christ dans les derniers jours, alors comment peuvent-ils obtenir la vie et la vérité, atteindre le salut, être perfectionnés et entrer dans le royaume de Dieu C'est vrai. Comment Lisons encore des paroles de Dieu tout-puissant et cet aspect de la vérité nous sera plus clair. D'accord, d'accord, absolument, d'accord. Ah oui, c'est vrai. Dieu Tout-Puissant dit, depuis le temps où il y a la Bible, la foi des gens au Seigneur a été la foi dans la Bible. Au lieu de dire que les gens croient au Seigneur, il vaut mieux dire qu'ils croient dans la Bible. Au lieu de dire qu'ils ont commencé à lire la Bible, il vaut mieux dire qu'ils ont commencé à croire dans la Bible. Et au lieu de dire qu'ils sont revenus devant le Seigneur, il vaut mieux dire qu'ils sont revenus devant la Bible. Ainsi, les gens rêvèrent la Bible comme si elle était Dieu, comme si elle était leur vie. Et perdre la Bible serait la même chose que perdre leur vie. <laughs> les gens rêvèrent la Bible autant qu'ils rêvèrent Dieu. Il y en a même qui la considèrent comme supérieure à Dieu. Si les gens n'ont pas l'œuvre du Saint-Esprit, s'ils ne peuvent pas sentir la présence de Dieu, ils peuvent continuer à vivre. Mais dès qu'ils perdent la Bible, ou ces chapitres et passages célèbres de la Bible, c'est comme s'ils perdaient leur vie. Ils ne croient en mon existence que dans le cadre de la Bible. Pour eux, je suis tout comme la Bible. Sans la Bible, je n'existe pas. Et sans moi, il n'y a pas de Bible. Ils ne prêtent aucune attention à mon existence ou à mes actions, mais accordent plutôt une attention soutenue et particulière à chaque mot des saintes écritures. Et beaucoup d'entre eux pensent même que je ne devrais pas faire ce que je veux faire, à moins que ce ne soit prédit dans les saintes écritures. Ils accordent trop d'importance aux saintes écritures. On peut dire qu'ils considèrent que les mots et les expressions sont très importants, au point qu'ils utilisent les versets de la Bible pour mesurer chaque mot. Que je dis, et pour me condamner, il ne recherche pas la voie de la compatibilité avec moi, ou la voie de la compatibilité avec la vérité, mais plutôt la voie de la compatibilité avec les mots de la Bible. Et il croit. Que tout ce qui ne se conforme pas à la Bible n'est pas, sans exception, mon œuvre. Ces personnes ne sont-elles pas des descendants obéissants des pharisiens Les pharisiens juifs ont utilisé la loi de Moïse pour condamner Jésus. Ils n'ont pas cherché la compatibilité avec le Jésus de l'époque mais suivaient la loi à la lettre avec zèle, au point qu'ils ont finalement cloué l'innocent Jésus sur la croix, l'ayant accusé de ne pas suivre la loi de l'Ancien Testament et de ne pas être le Messie. Oh, est possible. Quelle était leur essence N'était-ce pas qu'ils ne cherchaient pas la voie de la compatibilité avec la vérité Ils étaient obsédés par chaque mot des Saintes Écritures et ne prêtaient aucune attention à ma volonté et aux étapes et méthodes de mon œuvre. Ce n'étaient pas des gens qui cherchaient la vérité, mais des gens qui suivaient rigoureusement les mots des Saintes Écritures. Ce n'étaient pas des gens qui croyaient en Dieu, mais des gens qui croyaient en la Bible. Dans le fond, ils étaient les chiens de garde de la Bible afin de sauvegarder les intérêts de la Bible, de défendre la dignité de la Bible et de protéger la réputation de la Bible. Ils sont allés jusqu'à clouer le miséricordieux Jésus sur la croix. Ils l'ont fait simplement pour la défense de la Bible et par un souci de maintenir le statut de chaque mot de la Bible dans le cœur des gens. Donc, ils ont préféré renoncer à leur avenir et aux offrandes expiatoires pour condamner à mort Jésus qui ne s'étaient pas conformés à la doctrine des saintes écritures. N'étaient-ils pas des laquais de chaque mot des saintes écritures Et qu'en est-il des peuples aujourd'hui Le Christ est venu pour répandre la vérité, mais ils ont préféré l'expulser de l'humanité. Afin de gagner l'entrée au ciel et de recevoir la grâce. Ils ont plutôt préféré nier complètement l'avènement de la vérité afin de sauvegarder les intérêts de la Bible et préférer clouer de nouveau à la croix le Christ revenu dans la chair afin d'assurer et de ne pas compromettre l'existence éternelle de la Bible. Comment l'homme peut-il recevoir mon salut Quand son cœur est si méchant et sa nature si hostile envers moi Amen. 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 Oh, oui, oui. Les paroles de Dieu Tout-Puissant ont clairement exposé les guides religieux qui ne font qu'exalter la Bible et témoigner de la Bible, mais n'exaltent jamais Dieu ni ne lui rendent témoignage et ont également exposé la vérité et l'essence de leur utilisation de la Bible pour remplacer Dieu et usurper son identité et leur utilisation des paroles de la Bible pour résister à Dieu. Oui. Et condamner son œuvre, révélant complètement leur nature satanique hostile à la vérité et opposée à Dieu. Pensez au temps où les pharisiens s'en tenaient obstinément aux Écritures et limitaient Dieu aux Écritures. Ils n'ont jamais cherché la vérité ni à suivre les pas de Dieu. Même si le Seigneur Jésus, lorsqu'il prêchait et faisait son œuvre, a exprimé de nombreuses vérités et accompli de nombreux signes et prodiges, démontrant ainsi déjà l'autorité et la puissance de Dieu. Mmh. Qu'ont fait les pharisiens Ils n'ont pas fait attention à la profondeur de la prédication du Seigneur Jésus ou à la grandeur de son autorité, tant que cela ne correspondait pas aux Écritures. Ils ont condamné furieusement le Seigneur Jésus et lui ont résisté. Ouais. Et parce que le Seigneur Jésus exprimait la parole de Dieu, ils ont condamné les paroles du Seigneur Jésus et ont blasphémé contre elles, les traitant oh, oui. comme un blasphème. Et à la fin, ont cloué vivant le miséricordieux Seigneur Jésus à la croix. Oui. Révélant complètement leur nature satanique et hostile envers la vérité et opposée à Dieu. Oui. Aujourd'hui, les pasteurs et les anciens religieux sont comme les pharisiens d'autrefois. Ils font tout leur possible pour exalter la Bible et témoigner d'elle, mais n'exaltent jamais le Seigneur ni ne lui rendent témoignage. Ils ne proclament ni les paroles du Seigneur, ni les vérités exprimées par le Seigneur. Ils se spécialisent dans l'explication de la connaissance et de la théologie de la Bible, diffusant diverses théories spirituelles paradoxales et vides pour tromper, contrôler et lier les gens. En disant, toutes les déclarations et les œuvres de Dieu sont consignées dans la Bible. Il n'existe pas de parole ni d'œuvre de Dieu en dehors de la Bible. Croire en Dieu signifie croire en la Bible. S'écarter de la Bible signifie ne pas croire en Dieu. Et qu'il suffit de s'en tenir fermement à la Bible pour accéder au royaume des cieux. Faisant croire à tout le monde que la vie éternelle se trouve dans la Bible. Et que les gens doivent simplement s'en tenir à la Bible pour accéder au royaume des cieux et recevoir. La vie éternelle. Avant qu'ils ne s'en rendent compte, la Bible a pris la place de Dieu dans le cœur des gens. Tout le monde croit aveuglément en la Bible et l'adore et par conséquent la traite comme Dieu. Petit à petit, la Bible est devenue un sortilège pour les croyants. Et la place du Seigneur dans les cœurs des gens a complètement disparu. Oh. En effet, ah oui, oui, effectivement. Oui, effectivement, oui. Quelle pourrait en être la conséquence La foi des gens et la connaissance du Seigneur sont réduites à néant. C'est la conséquence du fait de laisser les pasteurs et les anciens religieux expliquer la Bible. N'est-ce pas la vérité si. si, si, si. Ce que vous dites est effectivement édifiant. Je n'ai jamais pensé que la Bible à laquelle nous continuions de nous accrocher deviendrait un sortilège. C'est exact. Oh, il semble préférable de ne plus avoir une foi trop aveugle en la Bible. en effet, c'est beaucoup très dangereux. trop dangereux. Oui, oui. ah, c'est trop, trop dangereux. Je me sens si honteuse et embarrassée après vous avoir écouté. Amen. Je crois depuis longtemps et je n'ai pas veillé à pratiquer les paroles du Seigneur. Je n'ai pas cherché non plus la vérité ou les intentions du Seigneur dans ses paroles. oui. 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 Tout ce que j'ai fait, c'est me concentrer sur la connaissance de la Bible. Pensant que plus j'avais de connaissances bibliques, plus je répondrais aux attentes du Seigneur et que comprendre beaucoup de connaissances et de doctrines de la Bible équivalait à connaître le Seigneur. Au bout du compte, je réalise que je ne comprends pas la vérité et que je ne connais absolument pas notre Seigneur. Le Seigneur n'a pas la moindre place dans mon cœur. Non. non. Je ne peux pas croire que j'ai considéré la Bible au-dessus du Seigneur. En pensant de façon absurde que croire au Seigneur signifie croire en la Bible, qu'exalter la Bible signifie exalter le Seigneur et témoigner de lui. Oui, en effet. Oui, nous nous trompions. Oui. Je me suis détournée du chemin du Seigneur il y a longtemps sans le savoir. Ma foi en notre Seigneur était vraiment très confuse. Nous sommes tous passés par là. Oui. Ce sont les paroles de Dieu tout-puissant qui corrigent ma plus grande erreur dans ma foi en notre Seigneur. Oui. Moi également, me préservant de prendre le mauvais chemin. Amen. Amen. À partir de maintenant, je ne serai plus contrôlé par la Bible. Bien. Je dois Vous vraiment lire plus. les paroles de Dieu tout-puissant. Amen. Amen. Nous rendons grâce à Dieu tout-puissant. Nous yes, rendons grâce à, Nous grâce à Dieu. À Dieu Merci, Seigneur. Merci, Merci, Seigneur. Seigneur. Merci. lisons Seigneur. Seigneur. davantage les paroles de Dieu tout-puissant. Avant de les avoir vues ces deux fois, je n'avais jamais pensé que la prédication de l'éclair oriental serait si profonde et serait entièrement fondée sur la Bible. Toute personne qui écoute serait convaincue. Nous ne pourrions y trouver à redire ou la refuser. Absolument. Mais si tous nos frères et sœurs suivent sur pour croire en Dieu tout-puissant, notre église ne va-t-elle pas s'effondrer Si. Oh, frère Dia, il vaut mieux penser à un moyen de les retenir. Je ne veux pas perdre l'église non plus. Mais que faire alors Ils trouvent que toutes les paroles de Dieu tout-puissant sont la vérité et qu'ils doivent les accepter. Comment est-ce que je peux les stopper aucun des mensonges inventés par le PCC n'a fonctionné. Alors que pourrais-je faire C'est vrai. Dia. Nous pouvons faire quelque chose. Sœur Fou et eux vont à une réunion demain. Non, très vite Mauvaise nouvelle Jia Hongwei s'est associé à quelques collaborateurs pour assembler tous les frères et sœurs et a essayé de les persuader et de les menacer de ne pas accepter l'Éclair Oriental. Vous feriez mieux d'aller voir ça. Vite Appelez Frère Li et les autres qu'ils y aillent ensemble. En fait, vite Allons-y. Par conséquent, vrai, nous devons nous attacher à la Bible et arrêter tout contact avec l'Éclair Oriental. Oui, 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 ah, nous oui, devons oui, plus oui, entrer oui. en contact avec eux. Frère Du et Frère Zhu, c'est après avoir lu les paroles de Dieu Tout-Puissant et compris certaines vérités pour pouvoir croire en Dieu que nous réalisons ce que cela signifie de vraiment croire en Dieu. Amen. Et tous se sentent plus forts dans leur foi. Oui. Notre foi et notre amour de départ sont revenus également. Oui. C'est vrai, vrai. Ah, oui, J'ai ressenti au fond de mon cœur que la parole de Dieu Tout-Puissant est la vérité. Amen. Amen. Non seulement cela pourvoit à nos besoins, mais ça peut aussi résoudre nos problèmes concernant notre foi. Ah, oui. Ah, oui, oui. Ne s'agit-il pas précisément des paroles du Saint-Esprit aux églises Amen. Pourquoi ne nous laissez-vous pas l'accepter Oui, pourquoi ils oui, nous a empêchés. Pourquoi? pourquoi Oui, pourquoi Nous avions tous l'habitude d'écouter les pasteurs et les anciens analyser la Bible. C'est vrai. Mais nous ne bénéficions pas de l'œuvre du Saint-Esprit et les besoins spirituels n'étaient aucunement pourvus. Exactement. Oui. Notre esprit a longtemps été dans l'obscurité et l'aridité, si l'on peut dire. C'est vrai. vrai. Se rendons vrai. grâce vrai. au Seigneur. Maintenant, nous avons été abreuvés et nourris des paroles de Dieu Tout-Puissant. Ah, oui, 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 et oui, nous oui. avons aussi la foi et l'amour. Je, Je regrette de ne pas avoir lu ces paroles plus tôt. Oui. Moi, tout à fait nous avons déjà l'impression que nous les lisons trop tard. Alors, pourquoi nous empêcher de lire les paroles de Dieu Tout-Puissant Et Le pasteur Ah, Sœur fou Sœur est ici Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Que fait-elle ici Oui, comment se fait-il qu'elle soit ici Ah, oh, rendons grâce, oh, grâce. Seigneur. ravi de vous voir. Sœur oh, Zhang est là aussi. Frère Li et frère Chen, prenez place à l'intérieur, je vous prie. Sœur Zhang, je vous en prie. Euh, merci, Allez, prenez ceci. Voilà. Oui. Frère Li et frère Chen, prenez place. Oui, vous bien. On va savoir encore davantage. Frères et sœurs, prenez place. Allez, c'est temps qu'on commence. Frères et sœurs, vous venez de dire que les prédications des pasteurs et des anciens sont des connaissances et des doctrines de la Bible qui ne vous nourrissent pas. Mais n'est-ce pas la façon dont les pasteurs et les anciens prêchent C'est vrai. vrai. Coûte que coûte, les pasteurs et les anciens ont interprété la Bible pour nous toutes ces années. Ils ont travaillé d'arrache-pied, même si. S'ils ne sont pas méritables. Amen. Amen. Oui. Oh, oui. Comment oui. pouvez-vous oui. dire ça Nous devrions souffrir pour le Seigneur. Pourquoi le travail oui. dur et le mérite Les pasteurs et les anciens sont tous soins par le Seigneur. Amen. Amen. Si nous obéissons aux pasteurs et aux anciens, nous obéissons au Seigneur. Amen. Amen. Si nous résistons aux pasteurs et aux anciens, nous résistons au Seigneur. Oui, c'est vrai. Frères et sœurs, si les pasteurs oh, merci, merci. et les anciens ne nous laissent pas écouter l'éclair oriental, alors nous devons leur obéir. Oui. Nous ne devons plus écouter. Oui. Nous devons ah, suivre nous, ce nous que nous disent les pas pasteurs pas et les anciens. Oui. Nous ne pouvons oui. rien accepter qui ne figure pas dans la Bible. Non. Non, nous n'allons pas, 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 pas nous, nous tromper si nous nous en tenons à la Bible. Oui, oui. Frère, nous ne devrions oui. pas parler à parler. Et pourquoi donc Ce n'est pas conforme à la Bible. Qu'a dit Pierre à ce sujet Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Les pasteurs et les anciens sont tous des hommes. Pourquoi les croyants devraient-ils écouter les hommes et non le Seigneur oui, oui. Tout à fait. Les paroles des pasteurs et des anciens représentent-elles les paroles du Seigneur Jésus oh, bah, surtout. Certainement, Certainement. 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 Non. pas. Question. Oui. Dieu Tout-Puissant et la Seconde Venue du Seigneur Jésus. Amen. Les paroles de Dieu Tout-Puissant sont la vérité et peuvent nous nourrir. Amen. Amen. Pourquoi oui. vous ne nous laissez pas l'écouter Oui, pourquoi Vous voulez devenir comme les pharisiens Non, non, non bien sûr que, que non. En effet, qu'avons-nous gagné en écoutant les pasteurs et les anciens pendant toutes ces années Il n'est pas facile pour nous d'entendre la voix de Dieu aujourd'hui. Alors pourquoi vous ne nous laissez pas l'écouter C'est vrai. Oui, pourquoi Seuls ces pharisiens hypocrites et antichrists empêcheraient les gens de chercher la vérité et d'étudier le vrai chemin. Ah, oui, bah, sûr. en effet, oui. Sœur oui. Jane, tu ne peux Jean... pas… Leur présentation de la vérité est si claire. Oui. Pourtant, vous n'écoutez pas. Vous empêchez les frères et sœurs d'accepter le vrai chemin. Oui. oui. Est-ce que cela n'accomplit pas précisément les paroles de la Bible Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Amen. Amen. Parce que vous fermez aux hommes le royaume des tout cieux. Vous oui. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent y entrer. Amen. Frères et sœurs, nous devons tous croire que les pasteurs et les anciens sont tous choisis et ordonnés par le Seigneur. Amen. Amen. Et qu'ils servent le Seigneur. Obéir aux pasteurs et aux anciens, c'est obéir au Seigneur. Amen. Amen. Si nous résistons aux pasteurs et aux anciens, c'est que nous résistons au Seigneur. Amen. 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 En quoi est-ce résister au Seigneur, seigneur. L'homme peut-il oui, représenter il faut Dieu Remettre les choses. Les au clair. pasteurs et les anciens peuvent représenter. Ne vous le laissez seigneur. pas indoctriner par l'éclair oriental. Écoutez, réfléchissons-y tous bien, d'accord Qui est-ce qui prêche à l'église lors des messes les pasteurs, les pasteurs et les, et les anciens. anciens. Oui, les pasteurs et les anciens, oui. exactement. Ah, oui. Ah, oui. Oui. Seuls les pasteurs et les anciens comprennent la Bible oui. et peuvent l'interpréter. Eux seuls peuvent nous guider comme des bergers. Amen. Amen. Par conséquent, tant que ce que les pasteurs et les anciens disent est conforme à la Bible et est fondé sur la Bible, nous devons nous y conformer et obéir. Amen. Amen. Tant que les pasteurs et les anciens agissent conformément à la Bible, nous devons l'accepter et les suivre. Amen. Amen. Dites-moi, tout le monde, Obéir aux pasteurs et aux anciens, cela pourrait-il être mauvais oui. Expliquez-nous. Puisque nous croyons en oui, Dieu, nous devons écouter Dieu et non nous les hommes. Non, 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 non expliquez-nous. Il faut, oui. faut, faut nous dire, on ne doit pas écouter les hommes. Oui, ce sont les pasteurs et les anciens. Calmez-vous, calmez-vous, pas des années. Frères et sœurs, pour ce qui est de savoir si les pasteurs et les anciens religieux ont été choisis et désignés par le Seigneur. Écoutons ce qu'ont à dire les frères et sœurs de l'église de Dieu Tout-Puissant. Laissons les frères et les sœurs de l'église oui, de Dieu Tout-Puissant parler. Oui. Parlez-nous, s'il vous plaît. Parfait. Oui. Ah, oui, oui. Oui. Allez, parlez-nous. Ce qu'ils prêchent est très profond. Nous ne pouvons pas écouter. Mm. Écoutons ce qu'ils ont à dire. Frère Lee. Oui. Parlez-nous un peu. Oui, parlez-nous. Dites-nous votre pensée. Rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs, permettez-moi de partager mes connaissances sur cette question. Ah, euh, oui, oui, oui. Après, oui. En religion, certaines personnes pensent que les pasteurs et les anciens sont tous choisis et ordonnés par le Seigneur. Par conséquent, les gens devraient leur obéir. Cet avis a-t-il une base dans la Bible Est-il attesté par le Seigneur Non. A-t-il le témoignage du Saint-Esprit et la confirmation de l'œuvre du Saint-Esprit Non, ce n'est pas le cas. Si les réponses sont toutes non, alors cette croyance que les pasteurs et les anciens sont tous choisis et établis par le Seigneur ne vient-elle pas des notions et de l'imagination des gens Tout à fait, si en effet. Réfléchissons-y. Sous l'ère de la loi, Moïse a été choisi et établi par Dieu. Cela signifie-t-il que tous les conducteurs juifs de l'ère de la loi ont été choisis et établis par Dieu Non, 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 pas du tout. Sous l'ère de la grâce. Les douze apôtres du Seigneur Jésus ont tous été choisis et oints par lui-même. Cela signifie-t-il que tous les pasteurs et les anciens de l'ère de la grâce ont été choisis personnellement et établis par le Seigneur Non, non, non. Beaucoup de personnes aiment suivre les règles et n'abordent pas les choses selon les faits. En conséquence, ils adorent et suivent aveuglément les gens. Quel est le problème ici Pourquoi les gens ne peuvent-ils pas faire la distinction entre ces choses différentes pourquoi ne peuvent-ils pas rechercher la vérité Oui. Et nous n'avons jamais pensé à ces choses avant. Il semble que la vérité soit à rechercher ici. Oui. Frère Lydite nous en a un peu plus. Oui, s'il vous plaît, continuez de nous en parler. On peut voir de ce qui est rapporté dans la Bible que dans toutes les aires de son œuvre, Dieu choisit et ou un certaines personnes pour coordonner son œuvre et ceux qui sont nommés et utilisés par Dieu sont confirmés par Sa parole. Et même s'ils ne le sont pas, il y a au moins la confirmation de l'œuvre du Saint-Esprit. Comme pendant l'ère de la loi, Dieu a oué un Moïse pour qu'il dirige les Israélites, cela est prouvé par les paroles de Dieu. Oui. Prenons maintenant dans la Bible, Exode 3, 9, 10, s'il vous plaît. Vas-y, ouvre. Qui veut lire Permettez-moi. L'Éternel Dieu a dit… Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Amen. Amen. Oui, c'est sûr. <laughs> Rendons grâce au Seigneur. La parole de Dieu Sous l'air de la grâce, non, le Seigneur Jésus a oint les douze apôtres pour guider les églises. C'est aussi écrit. Tout comme le Seigneur Jésus a dit quand il a consacré Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu Paie mes brebis. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Amen. Oui, c'est très juste. Absolument. Nous pouvons voir que les personnes nommées et utilisées par Dieu Lui-même sont confirmées par Sa parole. Même s'il n'existe aucune preuve sous forme de parole de Dieu, il devrait au moins y avoir en la effet. confirmation de l'œuvre du Saint-Esprit. L'ensemble de leur œuvre est soutenu par Dieu. Obéir à leur œuvre et à leur conduite revient à obéir à Dieu. Celui qui résiste à une personne que Dieu a ouinte résiste aussi à Dieu et sera maudit et puni par le Tout-Puissant. Ah, oui. Sera, oui. Bien sûr. Tout comme sous l'ère de la Loi, Corée, Dathan et leur peuple ont résisté à Moïse. Et que s'est-il passé Ils ont été directement punis par Dieu. Dieu fit que la terre s'ouvrit et les engloutit tous. Oui. Oui, ça, vrai. tout le monde sait que c'est la réalité. Sous l'air de la grâce, les apôtres ouins par le Seigneur Jésus sont tous confirmés par la parole du Seigneur. Mais les pasteurs et anciens religieux d'aujourd'hui ont-ils été ouins par le Seigneur Est-ce attesté par Sa parole non. La plupart d'entre eux tiennent leur savoir d'école théologique et ont des diplômes d'études supérieures en théologie, sur lesquels ils s'appuient pour devenir pasteurs. Oui. Pas parce que le Saint-Esprit leur a personnellement rendu témoignage et s'est servi d'eux, n'est-ce pas vrai Il a raison, oui. Oh, Il a tellement parlé. bien dit, c'est sûr. Qui d'entre nous a vu le Saint-Esprit rendre témoignage personnellement à un pasteur ou le consacrer Eh bien, personne. Cela ne se produit jamais. C'est vrai. S'ils étaient vraiment oints par le Seigneur, il y aurait sûrement le vrai témoignage du Saint-Esprit, et de nombreux croyants comme témoins. Par conséquent, aucun pasteur ou ancien religieux n'est oint par le Seigneur. C'est certain. Oui, en effet. J'ai entendu dire qu'il y a même des pasteurs qui ne croient pas que le Seigneur Jésus ait été conçu du Saint-Esprit. Ils ne pensent pas... Que la conception par le Saint-Esprit soit conforme à la science. Il est encore moins probable que ces personnes admettent que le Christ est la manifestation de Dieu. En effet. Si de tels pasteurs existaient, au temps où le Seigneur Jésus a œuvré, ils n'auraient certainement pas accepté le Seigneur Jésus. Alors comment traiteraient-ils la manifestation et l'œuvre de Dieu incarnée dans les derniers jours C'est une bonne question. Ils seraient tous comme les principaux sacrificateurs juifs, les scribes et les pharisiens, condamnant le Seigneur Jésus et s'opposant furieusement à lui. Oui, vrai, en effet, le cas. En effet. Alors, ces pasteurs et anciens obéissent-ils réellement à notre Dieu Non, ce sont tous des gens qui résistent à Dieu. Ils ne croient même pas au Dieu incarné et en outre ne reconnaissent pas les vérités exprimées par Dieu incarné. Ne sont-ils pas au fond des antichrists Si, ce sont des antichrists. Oui. Alors, l'idée que les pasteurs et les anciens religieux sont tous choisis et ordonnés par le Seigneur tient-elle toujours debout ah non, 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 ça ne tient non, pas debout. Non, pas du non, tout. Pas du non, tout. Non, non. Si nous insistons sur le fait que ces pasteurs et anciens sont oints par Dieu qui se sert d'eux, alors n'est-ce pas calomnier et blasphémer contre lui si. Oui, évidemment. Oui. Oui. Dieu oindrait-il et, et utiliserait-il ces incroyants et antichrists pour diriger les élus de Dieu Non, non, non. non, 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 non. non un tel point de vue n'est-il pas absurde et totalement fallacieux N'est-ce pas tordre les faits et confondre le noir et le blanc Oui, oui, oui. Nous croyons au Seigneur, mais ne comprenons pas la vérité. Nous ne pouvons absolument rien voir. absolument rien. Frères et sœurs, après ces paroles, nous comprenons maintenant tous. Tous ceux qui sont loints par Dieu et dont Dieu se sert reçoivent son témoignage. Oui. Ou ont au moins la confirmation et les effets de l'œuvre du Saint-Esprit. Et peuvent aider les élus de Dieu à être nourris spirituellement et guidés vers les vrais pâturages. Oui. C'est tout à fait vrai. Parce que Dieu est juste, saint. Amen. Amen. Il est certain que tous ceux qui sont loints par Dieu et dont Dieu se sert sont en accord avec sa volonté. Ils ne sont certainement pas des pharisiens hypocrites. Bien sûr non, que non. Non, non. Et encore moins des antichrists ennemis de la vérité opposés à Dieu. Oui, oui, oui. Vrai. Dieu n'utiliserait pas d'antichrist. Oui, Amen. 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 Examinons ensuite les pasteurs et chefs religieux d'aujourd'hui. La plupart d'entre eux ont étudié dans des écoles théologiques. Mais ils n'ont pas été ouïs par Dieu. Ils ne se servent pas d'eux. Ils étudient simplement la théologie et la Bible. Leur travail et leur prédication ne se concentrent que sur la connaissance de la Bible, la théologie, ou les personnages et les histoires de la Bible, les antécédents historiques, etc. C'est vrai, en oui. effet. Ce qu'ils pratiquent, c'est enseigner aux gens des rituels religieux et suivre les règles. Ils ne communiquent pas la vérité présente dans les paroles de Dieu, ni ne conduisent les gens à pratiquer les paroles de Dieu en faire l'expérience ou à observer les commandements de Dieu. Ils ne parlent jamais d'expérience réelle d'entrée dans la vie. Ah oui, vrai. Et ils ne parlent jamais de la vraie connaissance de Dieu. Oui. Ah. Ah, oui. Vrai. 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 Oui. Ce type de travail et de prédication peut-il accomplir l'œuvre du Saint-Esprit ah, Ils ne peuvent certainement oui. pas obtenir l'œuvre du Saint-Esprit. Un tel service peut-il satisfaire aux intentions de Dieu Sûrement pas. Peut-il nous amener à pratiquer la vérité et à entrer dans le bon chemin de la croyance en Dieu Non. <laughs> non, non, absolument pas. En expliquant la Bible de cette façon, ne suivent-ils pas leur propre chemin et ne résistent-ils pas à Dieu Absolument. Bah oui. Dire, bon, ça, évident. Oui. 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 Oui, oui, oui. Quand Dieu exprime des vérités et accomplit son œuvre de jugement des derniers jours, ces chefs religieux savent clairement que les paroles de Dieu tout-puissant sont toute la vérité et peuvent purifier et sauver les gens. Et pourtant, ils ne les cherchent ni ne les acceptent. Le pire, c'est qu'ils ne permettent pas aux croyants de lire les paroles de Dieu Tout-Puissant ou d'écouter sa voix. Oui, oui, c'est d'accord. Il a raison. Pour protéger leur statut et leurs moyens de subsistance, ils calomnient et condamnent furieusement Dieu Tout-Puissant. Ils travaillent même en coordination avec le PCC et le régime satanique pour arrêter et pour persécuter les évangélistes. Ça, c'est faire le mal. Est-ce quelque chose que les croyants en Dieu devraient faire en quoi les actions et la conduite de ces pasteurs et anciens sont-elles différentes de celles des pharisiens qui avaient résisté au Seigneur Jésus Ce sont les pharisiens modernes. Exact. Ne sont-ils pas des obstacles pour nous qui acceptons le vrai chemin Comment ces personnes ennemies de la vérité, opposées à Dieu, peuvent-elles être ouintes et utilisées par Dieu Dieu désignerait-il ces personnes qui détestent la vérité et entravent la volonté de Dieu pour diriger ses élus euh, Non, certainement, certainement pas. pas. Non, pas non, du pas. tout. Il ne ferait pas ce choix. Et non, en effet pas du tout, c'est la vérité. Amen. Rendons grâce au Seigneur. Plus j'écoute vos paroles, plus je me sens éclairé. Merci, merci. 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 Seigneur. Les personnes qui sont ointes par Dieu et dont Dieu se sait reçoivent personnellement son témoignage mm -hmm. et sont confirmées par la parole de Dieu. Mm -hmm. S'il n'y a pas la parole de Dieu, il doit y avoir au moins la confirmation de l'œuvre du Saint-Esprit. Oui, amen. Amen. Mais les pasteurs et les anciens ne bénéficient pas du témoignage de la parole de Dieu et ne sont pas confirmés par l'œuvre du Saint-Esprit. Comment pourraient-ils être des personnes ointes par Dieu oh, C'est impossible. Ah, oui. enfin, <laughs> non. Nous croyons au Seigneur depuis tant d'années et pourtant nous ne comprenons pas ce problème. Nous sommes de misérables aveugles. Ah, oui, oui, ça c'est vrai. 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 Oui, sans leurs explications oui. nous n'aurions vraiment pas... Rendons pu grâce au Seigneur. Cet éclairage nous est fort profitable. Amen. Merci, Merci Seigneur. Seigneur. Oui. Merci. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez dit. Paul a clairement dit dans la Bible, Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur. Amen Cela prouve que les pasteurs et les anciens sont tous oints par le Saint-Esprit. C'est vrai. Être oint par le Saint-Esprit ne correspond-il pas à être oint par Dieu si. Si, si, si dieu a oint les pasteurs et les anciens pour veiller sur tout le troupeau cela ne peut pas être faux alors dites-moi n'est-ce ah, pas vrai si c'est vrai ah oui oui moi, je suis d'accord pas. Pas. les discussions de ces derniers jours m'ont fait réfléchir sur la façon dont nous avions l'habitude d'interpréter aveuglément la Bible, de sortir les versets de leur contexte oui. et de mal utiliser les paroles de la Bible. La plupart de nos paroles sont fondées sur nos notions et notre imagination, et même sur de nombreux avis absurdes. Mmh. Cela viole complètement les paroles du Seigneur. Nous ne comprenons pas vraiment la vérité. Nous sommes trop stupides et ignorants. Oui. Et nous devrions maintenant traiter chaque parole de la Bible correctement. Les paroles de la Bible sont exprimées par rapport à certains contextes. Absolument, oui. c'est vrai. Nous ne pouvons pas simplement prendre n'importe quel verset et l'appliquer comme bon nous semble. Oui, c'est vrai. Si nous appliquions le verset et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, à tous les pasteurs et anciens religieux, ne serait-ce pas absurde oh, Alors là, on Absurde, absurde. Oui, oui, oui. Nous devrions comprendre. Hein? Qui a prononcé les paroles et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque Qui était visé par ces paroles Si nous ne pouvons même pas comprendre ces deux questions et les appliquons comme nous le souhaitons, n'est-ce pas les sortir de leur contexte Si, totalement. N'est-ce pas déformer la Bible Si, c'est déformer la Bible. C'est vrai, c'est déformer la Mais Bible. Mais c'est déformer bah, oui. la Bible. Bah, oui, quand même. Les oui. paroles de Paul peuvent-elles vraiment représenter les intentions de Jésus Non. 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 Paul peut-il représenter le Seigneur Jésus Il ne peut pas. Peu pas. pas. Non, seules les paroles de Dieu sont la vérité. Amen. Et seules les paroles de Dieu peuvent être une preuve. Amen. 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 Quant à Paul… Il n'est qu'une personne, il n'est pas le Christ. Ses paroles vrai, Amen. ne sont pas la vérité. Même si ces paroles sont venues par l'illumination du Saint-Esprit, on peut seulement dire que les paroles sont conformes à la vérité. Ah, oui. Oui. Amen. Amen. Nous ne devons pas traiter les paroles de Paul comme la vérité et les utiliser comme preuve. Il oui, a raison. Amen. Absolument. Le Amen. Oui, oui. sœur Fou a raison. Les paroles de Paul ne peuvent pas représenter les intentions du Seigneur. Frère doux, comment peux-tu utiliser les paroles de Paul comme preuve que les pasteurs et les anciens sont tous oints par le Saint-Esprit Tu dis qu'ils sont oints par le Saint-Esprit, mais dis-moi, ont-ils la confirmation de l'œuvre du Saint-Esprit Peuvent-ils rendre témoignage de la pratique et de l'expérience des paroles de Dieu Le peuvent-ils Peuvent-ils nous montrer le chemin pour pratiquer et entrer dans la parole de Dieu C'est vrai, il n'y a pas de chemin de pratique. Et peuvent-ils vraiment nourrir notre vie oui. Mais oui, il, il a raison. raison. Oui, Qu'avons-nous gagné en écoutant les pasteurs et les anciens pendant toutes ces années Enfin, vous n'avez pas compris Les frères et sœurs de l'Église de Dieu Tout-Puissant nous ont apporté un éclairage si clair aujourd'hui. Comment peux-tu toujours t'appuyer sur les paroles de Paul pour dire que les pasteurs sont oints par Dieu Oui, c'est vrai. Oui, vrai. Oui, vrai. Oui, vrai. Tu ne comprends vraiment pas ou tu fais simplement semblant d'être perdu j'ai l'impression que c'est un simulacre. Euh, Je ne te comprends vraiment pas. Oui, ça, ah, délicat. Oui, ça a été expliqué ce ce sont, méthodes qui sont qui oui, les méthodes Oui, nous ne pouvons plus écouter oh, les pasteurs et les anciens. Oh, oh oui, oui, non, mais non, non, non pas, possible. Possible. On peut pas continuer à oh, les écouter, oh, écouter non, comme on ça, Frères et sœurs, nous allons continuer de communiquer sur cette question. Des personnes absurdes dans les milieux religieux abusent souvent des paroles de la Bible pour inventer des règles. Ils prétendent que les pharisiens hypocrites et les pasteurs religieux sont tous oints par Dieu qui se sert d'eux. N'est ce pas résister à Dieu et blasphémer sérieusement contre lui? Oui, oui. 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 En, en effet, ça. le oui. résultat sera terrible. Oui. Beaucoup de personnes ne savent pas comment faire la part des choses. Ils croient au Seigneur mais ne le magnifient pas, recherchent plutôt les dons, le statut et le pouvoir, et croient et adorent aveuglément les pasteurs et les anciens. Ils ne font pas la différence entre l'œuvre du Saint Esprit et la réalité de la vérité. Ils pensent simplement que tant que l'on a un diplôme de pasteur, qu'on peut analyser la Bible, cela signifie qu'on est approuvé ouin par Dieu et qu'on devrait être obéi. Oui, n'est-ce pas ce que nous avons cru Certaines personnes sont encore plus absurdes et pensent que l'obéissance aux pasteurs et aux anciens équivaut à l'obéissance à Dieu et que résister aux pasteurs et aux anciens, c'est résister à Dieu. Si nous prenons en considération ces notions, les principaux sacrificateurs, les scribes et les pharisiens, qui connaissaient bien la Bible et l'expliquaient souvent aux autres, mais ont résisté au Seigneur Jésus et L'ont condamné quand Il est venu et a œuvré, et L'ont même crucifié sur la croix. Oui. ce des personnes ointes par Dieu et dont Dieu se sert Oh mais non, certainement. Pas. Jamais non. Dieu n'aurait oint de telles personnes. Si l'on suivait les guides juifs dans la résistance au Seigneur Jésus et sa condamnation, est-ce que ça veut dire qu'on obéissait à Dieu Non, non. pas du tout. Diriez-vous que ceux qui ont rejeté les dirigeants juifs et ont suivi le Seigneur Jésus étaient alors en train de résister à Dieu Certainement pas. Cela montre que l'idée d'obéir aux pasteurs et aux anciens, c'est obéir à Dieu. Résister aux pasteurs et aux anciens, c'est résister à Dieu. Est vraiment trop absurde et fallacieuse. C'est stupide. Nous, croyant en Dieu, devons savoir clairement que si les pasteurs et anciens religieux résistent à Dieu, et que le chemin qu'ils préconisent trahit la vérité et s'oppose à Dieu, alors nous... Nous devons nous tenir du côté de Dieu, les exposer et les rejeter. C'est ça la vraie obéissance à Dieu. Amen. C'est abandonner les ténèbres pour la lumière et satisfaire aux intentions de Amen. Dieu. Amen. Oui. 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 Nous ne pouvons plus écouter les pasteurs et les anciens. Alors, pour ce qui est de la manière de traiter avec les pasteurs et les anciens, nous devons rechercher la vérité et comprendre les intentions de Dieu. Amen. Si les pasteurs et les anciens sont des personnes qui aiment et recherchent la vérité, il est certain qu'ils auront l'œuvre du Saint-Esprit oui. et seront capables de nous amener à pratiquer les paroles de Dieu, à craindre Dieu et à s'éloigner du mal. Amen. Amen. Respecter et suivre de telles personnes est en accord avec les intentions de Dieu. C'est ce que nous devons faire. Amen. Merci, oui. Seigneur. merci Seigneur. Grâce à Dieu. Merci. Oui, merci Seigneur. S'ils n'aiment pas la vérité et ne se soucient que d'expliquer leurs connaissances bibliques et leurs théories théologiques pour se vanter et s'élever, pour faire qu'on les adore et leur obéisse, et n'exalte pas Dieu, ne rende pas témoignage de lui, et ne nous aide pas à pratiquer les paroles de Dieu et à en faire l'expérience, ce sont des personnes qui sont condamnées et maudites par Dieu. Et nous nous opposerons à Dieu si nous continuons malgré tout de les adorer, de les suivre et de leur obéir. C'est vrai. Ce serait complètement contre les intentions de Dieu. N'est-ce pas vrai pour tout le monde oui, Nous, nous devrions rejeter ces pasteurs et anciens. ne les pas vivre Ils font de tels pas Voilà à quoi ressemblent les pasteurs et les anciens. Tous détestent la vérité et résistent à Dieu comme les pharisiens. Nous oui. Nous devons oui. les mépriser et les abandonner. C'est ce qu'on doit faire en effet. Si nous obéissons toujours à ces pasteurs et anciens, nous serons du côté de Satan et opposés à Dieu. Amen. Nous devons pouvoir comprendre ces problèmes. Oui, nous devons nous tenir oui, du côté de Dieu. Nous ne pouvons plus temps. les écouter. Exactement. Frères et sœurs, la plupart des gens dans les milieux religieux sont incapables de discerner la nature hostile des pasteurs et des anciens envers oui. Dieu. Ils sont convaincus que tant que les pasteurs et anciens comprennent la Bible et peuvent l'expliquer, et tant que ce que les pasteurs et anciens disent est compatible avec la Bible et fondé sur elle, les gens devraient les suivre et leur obéir. Un tel point de vue semble raisonnable. Mais lorsque nous y pensons, est-ce que les pasteurs et les anciens comprennent réellement la Bible Connaissent-ils réellement l'œuvre de Dieu Est-ce que le fait d'avoir la connaissance biblique représente la connaissance de Dieu non. Le fait d'écouter les pasteurs et les anciens, expliquer la Bible, peut-il réellement conduire les gens à comprendre la vérité et à connaître Dieu et lui obéir j'ai bien peur que personne dans le milieu religieux ne soit réellement capable de percer ces questions. En effet. En effet. Rappelons-nous, lorsque les pharisiens paraissaient comprendre la Bible plus que les autres et être forts dans son explication, mais lorsque le Seigneur Jésus a œuvré, ils ne l'ont pas reconnu. Ils se sont basés sur les lettres et les règles de la Bible dans le but de piéger le Seigneur Jésus. Ils lui ont résisté et l'ont condamné. En effet, oui, c'est vrai. Et parce que le Seigneur Jésus exprimait les paroles de Dieu, ils ont condamné le Seigneur Jésus et blasphémé contre lui, l'accusant lui de blasphème. Finalement, ils ont cruellement cloué le Seigneur Jésus sur la croix. Quel était au juste leur problème N'étaient-ils pas arrogants et ignorants de Dieu Si, oui. Oui. Oui, oui, bien sûr. Ces faits sont suffisants pour prouver. Que le fait d'avoir la connaissance biblique et de savoir l'expliquer ne veut pas dire qu'une personne comprenne la vérité et qu'elle connaisse Dieu. C'est vrai. Et cela ne veut pas dire qu'elle connaît l'œuvre de Dieu. C'est effectivement le cas. Ceux qui font véritablement l'expérience de l'œuvre de Dieu sont attentifs à vivre et à pratiquer les paroles de Dieu. Ils voient les merveilleux actes de Dieu à travers les paroles de Dieu comprennent toute l'attention et la pensée que Dieu a consacrée pour sauver l'humanité. Et voit clairement que toutes les paroles exprimées par Dieu au cours de son œuvre sont toutes les réalités de la vérité dans lesquelles les gens doivent rentrer oui. Oui, 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 vrai. 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 Oui, Ils comprennent véritablement la raison pour laquelle Dieu exprime ses vérités quelles sont ses intentions et ce qu'il cherche vraiment à accomplir à travers son œuvre sur le peuple oui vrai. Bien sûr. Oui, compris. oui, il a tout à faire Seules de telles personnes comprennent véritablement l'œuvre de Dieu. Seules de telles personnes comprennent véritablement la Bible et la vérité. Amen. 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 C'est vrai que grâce à la discussion d'aujourd'hui que finalement nous avons. Les personnes qui comprennent véritablement la Bible s'appliquent à communiquer les paroles de Dieu dans la Bible, ses intentions, ses exigences vis-à-vis -vis de l'homme, et l'œuvre de Dieu et son tempérament. Oui. Et cela peut nous conduire à la réalité de la vérité, et nous amène à craindre Dieu et lui obéir. Amen. 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 Là, qu'est-ce que les pasteurs et les anciens religieux prêchent dans leurs églises Rien que la connaissance biblique et la théorie théologique. Quelles sont les conséquences de communiquer de telles choses Quelles conséquences Oui, qu'est-ce que tu en penses Au final, cela ne peut que rendre les gens plus arrogants. Ils ne cèdent rien à personne uniquement parce qu'ils comprennent un peu la Bible. Par conséquent, lorsque Dieu se fait cher pour exprimer la vérité, il renie Dieu, lui résiste et s'oppose à lui. Oui, oui. c'est oui. effectivement ah oui. vrai. Ça, Le fait bien. que les pasteurs et les anciens expliquent la connaissance biblique et la théologie revient à résister à Dieu. Oui, oui. en effet. Ne sont-ils pas comme les pharisiens d'autrefois Oui, ils sont pareils. Pourquoi est-ce que ces pasteurs et ces anciens ne sont pas capables de communiquer leur propre connaissance et expérience de leur pratique des paroles de Dieu Pourquoi ne sont-ils pas capables de communiquer leur vraie compréhension de l'œuvre de Dieu et de son tempérament c'est justement parce qu'ils n'ont aucune expérience authentique des paroles de Dieu et de la vérité. Oui. Et ils se concentrent purement et simplement sur l'étude de la Bible, afin d'atteindre la connaissance biblique. C'est la raison pour laquelle il leur est impossible de recevoir l'œuvre du Saint-Esprit. En effet, c'est vrai. vrai. Comment leur service pourrait-il être approuvé par Dieu Effectivement, oui. Dieu n'approuverait pas ah. ça. Non. Dieu s'est fait cher en devenant le Fils de l'homme et a exprimé la vérité. Afin d'exécuter son jugement des derniers jours, dévoilant chaque personne. Oui, c'est vrai. Ceux qui aiment la vérité, ceux qui la haïssent, les bons serviteurs, les mauvais serviteurs, ceux qui servent Dieu et ceux qui servent Mammon seront tous dévoilés. Oui, pour ce qui oui, est des pasteurs oui, oui, et des oui, anciens, oui. ils oui. prennent tous des versets hors contexte et utilisent leurs notions et imaginations pour mal interpréter la Bible, en allant jusqu'à déterminer qu'il n'y a aucune parole et œuvre de Dieu hors de la Bible et aussi propageant toutes sortes de mensonges dans le but de résister à l'œuvre de Dieu dans les derniers jours et de la condamner. Ah. Oui, ça fait du travail. Oui. Oui, si travail Dites-moi, de... ne s'agit-il pas là de tromper et d'induire en erreur les gens si. oui. Oui. oui, ils sont oui. en train d'induire les gens en erreur. Oui, mais mais oui, pasteurs et les pasteurs les Qui sait combien de croyants ont été affectés et détruits par la propagation de tels mensonges Combien de personnes ont perdu la chance d'être emmenées devant le trône de Dieu et d'assister au repas de noces avec Dieu, et combien ont perdu la possibilité d'être rendus vainqueurs par Dieu sais ah, bah oui, rien oui, moi. des imposteurs. Ah, c'est évident. Très... Ces hommes, ces pasteurs et ces anciens ne représentent-ils pas des obstacles aux gens qui veulent accepter le vrai chemin Amen. Tout à fait. Ils représentent des obstacles. Oui, c'est effectivement. Nous ne le le devons cas. plus nous laisser oui. duper. C'est vrai. Nous n'avons pas pu faire la distinction pendant trop longtemps. Lisons quelques paroles de Dieu Tout-Puissant afin de mieux discerner les pasteurs et les anciens. D'accord. Rendons grâce à Dieu, oui. Rendons grâce au Seigneur. Grâce à Dieu. Dieu Tout-Puissant a dit, regarde les dirigeants de chaque confession religieuse. Ils sont tous arrogants et suffisants. Et ils interprètent la Bible hors de son contexte et selon leur propre imagination. Ils comptent tous sur les dons et l'érudition pour accomplir leur travail. S'ils étaient incapables de prêcher quelque chose, ces gens les suivraient-ils Ils possèdent tout de même un peu de connaissances, ils peuvent parler un peu de doctrine, savent comment convaincre les autres et utilisent des artifices par lesquels ils ont attiré le peuple devant eux et l'ont trompé. Théoriquement, ces gens croient en Dieu, mais en réalité, ils suivent leurs conducteurs. S'ils rencontrent ceux qui prêchent le vrai chemin, certains d'entre eux diraient, nous devons le consulter au sujet de notre croyance en Dieu. Voyez comment ils cherchent le consentement de quelqu'un pour croire en Dieu. N'est-ce pas un problème Que deviennent donc ces conducteurs Ne sont-ils pas devenus des pharisiens des faux bergers, des antichrists et des pierres d'achoppement qui empêchent le peuple d'accepter le vrai chemin. Amen. Amen, Amen, c'est vrai. Tous ceux qui lisent la Bible dans des églises imposantes et récitent la Bible tous les jours, aucun d'eux ne comprend le but de l'œuvre de Dieu. Aucun n'est capable de connaître Dieu. En plus, aucun n'est en accord avec le cœur de Dieu. Ils sont tous des hommes vils et sans valeur, orgueilleux qui se présentent pour enseigner Dieu. Bien qu'ils brandissent le nom de Dieu, ils s'opposent à lui volontairement. Bien qu'ils disent être croyants en Dieu, ce sont eux qui mangent la chair et boivent le sang de l'homme. Tous ces hommes sont des diables qui dévorent l'âme de l'homme, des démons qui dérangent intentionnellement ceux qui tentent d'emprunter la bonne voie, et des pierres d'achoppement qui entravent le chemin de ceux qui cherchent Dieu. Puisqu'ils sont de chair ferme, comment leurs disciples sauront-ils qu'ils sont des antichrists qui mènent l'homme à s'opposer à Dieu? Amen. Comment sauront-ils qu'ils sont des démons vivants qui cherchent spécialement des âmes à dévorer Amen. 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 Oh, incroyable. Oui, comment aurions-nous oh, pu savoir que, que les pasteurs bien. et les anciens sont Vous de tels personnes, personnes Frères et sœurs, dans le passé, lorsque les pasteurs et les anciens expliquaient la connaissance biblique et la théologie, nous les avons vénérés et suivis aveuglément. En y repensant, nous étions dépourvus de sens et ignorants, sans aucun discernement. C'est vrai Oui la connaissance biblique et la théorie théologique sont très dangereuses. Oui, amen. Si nous n'avions pas lu les paroles de Dieu Tout-Puissant, nous serions toujours dupés par les pasteurs et ah, les oui, anciens. Ça, oui, oui, alors là. En effet, j'avais l'habitude de penser que nous serions amenés dans le royaume des cieux en suivant les pasteurs et les anciens. Maintenant, je me rends compte que le chemin auquel ils conduisent n'est pas le bon chemin. Amen. Ils sont les pharisiens modernes, en effet. Nous ne pouvons plus les laisser nous duper. Non, non ça, 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 oui, oui. Là, ça suffit non, quand même. Terminé. Hein? Les pasteurs et les anciens ont plus de connaissances que nous et comprennent également la Bible mieux que nous. Mais ils ne connaissent pas Dieu et ils sont hypocrites. Ils seront maudits par Dieu. Ah oui, ils seront maudits. Oui, il est très dangereux de suivre les pasteurs et les anciens. Et ils ne peuvent pas nous conduire au royaume des cieux. Non. Quoi Oh non Nous devons non, les rejeter Nous devons désormais être je... lucides et ne plus nous laisser duper par eux. Oui. Nous devons rejeter ces pasteurs et ces anciens et ne plus nous laisser duper. C'est Ce cette anciens. Bible, la Bible de Voilà C'est la seule vraie de partir pour rester à Frères et sœurs, Dieu tout-puissant a exposé la véritable nature des pasteurs et des anciens qui résistent à Dieu et dupent l'homme tout en servant Dieu clairement. Les pasteurs et les anciens prennent souvent des versets hors contexte et interprètent mal la Bible lorsqu'ils l'expliquent. Ils comptent sur leurs notions et imaginations afin d'expliquer la connaissance biblique et la théologie. Et cela pour se montrer supérieurs, s'élever et faire en sorte que les gens les adorent et les suivent. Mais ils n'exaltent jamais le Seigneur. Au contraire, ils planifient de placer tout le monde sous leur contrôle. Oui. Pourquoi y a-t-il tellement de personnes pratiquantes qui vénèrent les pasteurs et les anciens, et tant de gens qui peuvent expliquer la Bible, mais si peu de personnes capables de magnifier le Seigneur Où se trouve le problème Surtout pendant le jugement de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours, Beaucoup de gens ne cherchent pas et ne sont pas en quête de vérité. Ils ne prient pas Dieu, mais cherchent plutôt les pasteurs et suivent leurs ordres. ils n'ont pas choisi pas le suivre. Est-ce que ces personnes croient au Seigneur ou au pasteur Nous avons cru au pasteur, nous n'avons pas du tout cru au Seigneur. Nous devons tous méditer sur ces problèmes. Oui. Le Seigneur Jésus a déjà révélé la résistance des pharisiens contre Dieu depuis longtemps. Comment se fait-il donc que nous ne soyons pas en mesure de faire la distinction lorsqu'il s'agit des pasteurs et des anciens dans les derniers jours Et il existe toujours beaucoup de gens qui les vénèrent et les suivent. Ils se sont embarqués sur la voie de la résistance à Dieu. Et ils sont méprisés et haïs par Dieu comme les pharisiens. Quel est ce genre de problème n'est-ce pas là le résultat d'avoir été dupé par les pasteurs et les anciens Si, en effet. Ceux qui aiment la vérité et qui désirent l'apparition de Dieu ont pu découvrir la nature antichrist des pasteurs et des anciens. Oui. Ils sont oui. tous sortis de la religion et ils ont accepté l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours. Et ils assistent aux noces de l'agneau. Amen. 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 Oui. Rendons grâce au Seigneur. Et rendons grâce. Au Pour ceux qui continuent de vénérer et suivre les pasteurs et les anciens, ils seront écartés par l'œuvre de Dieu notre Seigneur. Oui. Oh, ça c'est vrai. Frères ce et sœurs, attention. Les grandes catastrophes sont sur le point de s'abattre. Oui. Si nous ne cherchons pas et n'acceptons pas l'œuvre de Dieu tout-puissant des derniers jours, nous ne pourrons tomber que dans les catastrophes où il n'y aura que pleurs et malheurs. Oui, c'est vrai. Il a raison. Il a raison. Il est Il est Il est raison. Frères et sœurs, les catastrophes dans le monde entier sont de plus en plus grandes. Les quatre lunes rouges sont apparues. Et les événements célestes se sont déjà produits. Il semblerait que les terribles catastrophes sont sur le point de s'abattre bientôt. Ah oui, ça, j'en suis sûr. sûr. Ah, oui, Mais, forcément. Le jugement de Dieu incarné a commencé par la maison de Dieu est sur le point de s'achever. Oui. oui. Nous avons eu assez de chance d'écouter la voix de Dieu et d'accepter le jugement et la purification de Dieu tout-puissant dans les derniers jours. Voilà comment on s'élève vers le royaume des cieux. Amen. Amen. Merci Seigneur. Gloire au Seigneur, c'est une très grande bénédiction de pouvoir assister. Au dîner des noces de l'agneau. Amen. Amen. Rendons, Amen. Rendons grâce à Dieu. C'est Dieu, Dieu tout-puissant qui nous a sauvés Seigneur, de la tromperie puissant. et du contrôle des pasteurs et des anciens. En nous faisant Amen. abandonner les ténèbres pour la lumière afin d'être amenés devant le trône de Dieu. Rendons grâce à Dieu tout-puissant. Amen. Gloire à Dieu. Merci au Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Nous avons tous lu beaucoup les paroles de Dieu Tout-Puissant ces derniers jours et discuté de certains problèmes réels qui existent au sein de la religion. Et puis, nous avons enfin découvert que notre croyance envers le Seigneur avait dévié parce que nous avons adoré les pasteurs et les anciens et leur avons obéi. Et nous avions une foi aveugle dans les paroles des guides religieux. Voilà pourquoi nous avons traité plusieurs paroles de la Bible comme des lettres et des doctrines, et nous les avons interprétées comme des règles. Sans vraiment comprendre les paroles de Dieu, ou comment faire l'expérience de ces paroles. C'est vrai. Nous n'avions jamais su rechercher la vérité après avoir prié Dieu. Et en plus de ça, nous n'avions pas une véritable communion avec Dieu. Oui, c'est vrai. Okay. Nous pouvons désormais voir clairement. Est-ce la croire au Seigneur Théoriquement, c'est croire au Seigneur, mais en réalité, c'est adorer et suivre les pasteurs et les anciens, c'est leur obéir. Oui. De cette manière, involontairement, nous nous sommes embarqués sur la voie de la résistance à Dieu et nous sommes devenus des pharisiens hypocrites. Oui, c'est vrai. Oui, oui, oui c'est vrai, vrai. Oui, <rire> <rire> Je suis reconnaissante envers Dieu Tout-Puissant. Oh, merci, merci, merci Seigneur. Merci. Aujourd'hui, c'est Dieu Tout-Puissant c'est dieu tout-puissant qui nous a sauvés. Amen. amen. ce sont les paroles de dieu tout-puissant qui nous ont fait comprendre ce que signifiait croire en dieu. oui. ce sont les paroles de dieu tout-puissant qui nous ont fait comprendre la vérité et nous ont orientés. amen. amen. afin que nous n'ayons plus une foi aveugle envers la bible et que nous arrêtions de vénérer ces pasteurs et anciens. nous nous sommes enfin libérés du contrôle et de la servitude. Des lettres de la Bible et des guides religieux. Amen. Amen. Nous sommes libres du sortilège qui a emprisonné notre croyance au Seigneur pendant de nombreuses Amen. années. Amen. Amen. Merci. Merci, Merci Seigneur. Merci. Rendons grâce à Dieu. Leur contrôle et servitude. Nous pouvons nous approcher du trône de Dieu afin de nous réjouir de la profusion des paroles de Dieu et d'assister aux noces de l'agneau. Amen. 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 En recevant les sages paroles de Dieu qui souhaitent nous guider, Amen. Amen. nous sommes en effet bénis. Oui, nous sommes bénis. Oui, oui nous, nous sommes, sommes bénis. bénis. Quelle chance Rendons Rends grâce, au grâce au Seigneur. Seigneur. Rendons grâce. Au Dieu Seigneur. soit loué. Wow. Je n'aurais jamais imaginé, dans mes rêves les plus fous. Que nous serions capables d'être rassemblés devant le trône de Dieu et d'être préparés pour le royaume. Amen. Rendons grâce à Dieu. C'est là une occasion en or pour nous d'être rendus parfaits par Dieu. Rendons grâce à Dieu. Amen. Nous avons été exceptionnellement exaltés par Dieu. Amen. 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 Un grand merci à Dieu tout-puissant. Amen. 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 Rendons grâce, grâce à, Dieu. à Dieu, Dieu, Dieu tout-puissant. Miséricorde de Dieu. Dieu. Oh, rendons grâce, Dieu. grâce à Dieu. Merci Seigneur, soit Merci Seigneur. Merci. 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 Frère Li, Voici Yang Zhuang. Il y a un nombre élevé de frères et sœurs qui croient au Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Dépêchons-nous d'y aller, d'accord Oui, allons-y. C'est parti. En descendant vers la nation du grand dragon rouge, Dieu tourne sa face vers l'univers. trembler, y a-t-il une place qui échappe à son jugement ou qui résiste au fléau qu'il déverse Partout où il passe, il répand des germes de désastre. Mais c'est aussi son acte de salut. Et d'amour pour l'homme, Dieu désire que plus de personnes le connaissent, le voient, puis le révère. Elles ne l'ont pas vu depuis.